Et bonjour tout le monde. Salut à tous. Salut. Salut. Salut à tous. Salut. Salut. Hello. Salut. Alors, est-ce Est-ce que que nous vous entendons nous tous entendez bien bien? correctement? Si vous pouviez redire tous un petit mot, peut-être. Ouais, on peut parler vite fait. Allez, Un mot. coucou. Salutations. Un Est-ce mot. qu'on nous entend Bien le bien? Est-ce que je vous ai bonsoir. bien équilibré? Est-ce que vous voyez bien nos têtes? Est-ce que tout est beau? Au milieu. Apparemment, il Bon, n'y a pas de route. il n'y a pas Non, de. ouais. En tout cas, on nous dit pas que ça fonctionne pas, donc Vincent, je te laisse introduire le tout. Eh Ah. bien. Et la patate chaude est envoyée. Tu veux introduire le tout, forcément. Attends, je sais, qu'est-ce qui se passe? Tu démarres, Je Eric. me sens seul d'un coup. Bah, bonsoir à toutes et tous, et bienvenue pour cette soirée Among Us. Bon, rapide présentation de ceux qui vont jouer avec nous. On va avoir Kétal, Kyo, Marco, Pénélope, Pierrot, Pete, Tigurius et moi-même. Et puis bah, qui dit Among Us dit 5 crewmates et 2 imposteurs. Et les Alors, imposteurs doivent tuer les 5 crewmates. en vrai, ça va être 6 crewmates, mais c'est juste que Pierrot a déconnecté de la game, je sais pas ce qui se passe. 6 crewmates. Donc on attend Pierrot, t'es là, Pierrot tu avant veux de dire quelque commencer chose? la partie. Mais attends, il manque Pierrot, je crois, on voit plus Pierrot. Pierrot, il bouge pas du tout sur T'as ton pas de nouvelles image de toi depuis jusqu'à 5 là. minutes? Revenir encore. D'accord. Pierrot, il a été notamment kické hein, sur la partie. Oui, Oui, mais. les aléas du Pierrot, il direct. a Hein. été J'arrive pas à revenir. Hier, Il a été j'étais tué éjecté là. avant le jeu. Et t'arrives pas à revenir? T'as essayé de mettre le code, le nouveau code et tout? Ça doit être Vincent qui l'a fait. Pierrot, est-ce que tu peux me répondre à mes Ouais, questions? Est-ce que tu c'est as essayé de remettre pire. un nouveau code? Ouais, je suis sur le pad là pour le moment, ça marche pas là. Alors, essaie d'aller dans les serveurs publics et d'afficher la liste des serveurs. Oh, trop bien tes cheveux, Vincent. Oui, personne m'entend? Vous Enfin, m'entendez c'est mon pas? côté punk. Si, on t'entend. On t'entend, ouais. Nickel. Nous t'entendons. Mais juste, essaie d'afficher la liste des serveurs publics. Et une fois que t'as fait ça, tu retournes dans le truc en Europe et tu remets le code. Sachant que quand t'as parlé, t'avais la voix très distordue, je pense que t'as des soucis de connexion. Est-ce que tu peux... Ah, bah tu t'es mute, Pierrot. Ah non, t'es plus mute, c'est bon. Pierrot, t'es là? Pierrot. Pierrot est parmi nous, mais est-ce que tu peux parler, Pierrot, pour qu'on soit sûr que t'es avec nous? Ah, il est venu. Ah, il n'y a plus sa cam. Je pense qu'il a des soucis de connexion. Je reviens Ah. une seconde, je me demande. Bah, je pense qu'il a rejoint le jeu, parce que je vois qu'on est 8 maintenant. Ouais, non, mais on est dans. Il vient de rejoindre, mais il bouge pas, donc C'est bon. est-ce qu'il On n'y va a plus de connexion ou aller pas? Pierrot, t'es là? mieux. Ouais, Ouais. mais en distorsion. Non. Décidément. Alors, je sais pas si tu télécharges Pierrot en même temps, mais je pense que tu. Je pense pour Pierrot, ouais, j'avoue. Je ferai pas de blague graveleuse, promis. Bah, Non, je télécharge pas du tout. J'appelle plus J'aime Pierrot, toi. Ah. J'aime bien Un lui aussi. Pierrot. T'as le retour Ah, il bouge, de. Pierrot. Hop, la cam a l'air de revenir aussi. Tu vas pouvoir mettre le jeu, Nickel. C'est Kyo. Ouais, c'est bon, je me mets en jeu. bon pour tout le monde? Tac, c'est parti. Eh bien, allez, on est Yes. parti. Bonne chance à Bonne tous et n'oubliez chance. pas de vous mute Ok. quand on est en Et jeu. Kyo, à toi d'animer. Ouais. Grosse mission. Ouais. Et ça commence très fort. Ouais. Alors, qui c'est qu'on va tuer en premier? Bon, pour l'instant, il n'y a l'air d'avoir personne dans ce coin-là. Ah, il y a un Kétal, il y a un Pit par là. On va faire genre de faire le download. Il y a une petite Pénélope. Il y a un peu trop de monde dans le coin. On va changer de secteur. Il y a un pit tout seul là, ça peut être sympa ça. Hop, on peut lancer un petit petite alerte en réacteur. En espérant qu'il passe par le haut et pas par le bas.
ça c'est fait. Vas-y, on va faire style que je fais. Ah, oh, Dieu merci, j'ai eu le temps de finir ma tâche avant que vous vous reportiez. Ah. Alors, Pénélope, dis-nous tout. Alors. Eh ben, je pense qu'il a été tué assez tôt. Parce que j'avais croisé Pete quelques secondes, enfin pas quelques secondes, mais on va dire 20 secondes avant, dans vers communication. Je suis monté, moi, faire mes tâches à navigation où j'ai croisé Marco. Ça, on s'est croisé. Ouais, je confirme. Et j'ai croisé Kiyoshiro aussi. Et j'ai voulu aller à l'alerte. Il y avait du monde, on était 3 ou 4. Hein. Ouais, voilà. J'ai voulu aller à l'alerte. Et en allant à l'alerte, je suis passé devant communication. Et là, j'ai vu le bouton report apparaître. Et donc, je suis descendu dans communication et il y avait le corps. Le corps sans vie de Pete. Moi, personnellement. Moi, je sais qui a tué Pete. Hein. Ah bah dis-le. Ah, c'est Cthulhu. C'est Cthulhu. Ah oui, je... Le truc qui m'a semblé un peu louche, c'est qu'au moment de l'alerte, j'ai pas vu Marco, je t'ai pas vu aller vers l'alerte. Ah. Non, c'est vrai, j'avoue que j'ai pas vu, je suis pas allé à l'alerte parce que j'avais deux trucs à la navigation à faire. Ouais, tu peux pas les faire. Voilà. Et ça, tu peux pas les faire pendant. Si, on peut faire les tâches pendant le... J'ai pu valider deux tâches là-bas. Ah oui, c'est quand t'es en fantôme, j'y arrivais pas. C'est juste qu'il prend un risque qu'il y ait un petit nombre de personnes qui aillent sur l'alerte et qu'il y ait les deux imposteurs qui fassent un double kill et voilà quoi, c'est juste. Hein. D'accord. Non mais donc, franchement, j'y suis pas allé. Je te confirme que j'y suis pas allé. Non mais sur l'alerte, c'est vrai qu'on était tous. C'est vrai qu'on était quasiment tous là, sauf Marco effectivement. Bah Pénélope non plus n'était pas là du coup. Donc. Ouais. Mais de toute façon, pour info, et ça tout le monde pourra confirmer, moi je n'étais que en haut. Je suis allé que en haut de la map, donc où il y a la navigation, et un peu en bas. Peu en bas de la navigation. Je ne connais pas très bien la map encore, mais je ne sais pas où a été retrouvé le corps. Il a été retrouvé où? À communication. Mais en fait, j'ai une théorie. Vu que j'ai vu assez tôt Pete dans cette région, je me dis qu'il a été tué assez vite dans ce coin-là. Et que la personne qui l'a tué est allée à l'alerte, elle, pour pas attirer l'attention. Et que nous, on était à droite, mais le crime avait déjà été commis. Qui était à l'alerte? Qui se voyait à l'alerte? À l'alerte, je te dis, il y avait Tigurius, Ketal, Pierrot et moi. J'étais avec Vincent, moi. Yes. D'accord. Il y avait un paquet de monde. Okay. Et d'ailleurs, je crois que c'est qui et Vincent, qui a pardon, désactivé ouais. le réacteur en numéro 2, j'étais sur le premier. Juste pour Marco et les autres potentiels qui connaissent mal le jeu, j'ai mis la map du niveau dans... J'ai vu ça et c'est intéressant, ouais, effectivement. Bah moi j'étais à navigation tout le long, voilà. Ouais, après, et je suis juste un peu collé. C'est long quand même d'être navigation. Ouais, j'avoue, à tout le long, enfin bon, je sais pas. Après moi je l'ai vu arriver d'en haut, Marco, donc pour le moment, ce qu'il me dit, ça colle avec ce que j'ai vu. Ce qui me fait penser que la personne qui a tué Pete... La communication arrivait de la gauche de storage et est repartie vers storage. Moi, je n'ai pas allé vers navigation. Moi je vais skip. Ce qui éliminerait Kyo, moi et Marco. Je vais skip aussi. Je skip aussi. Moi également. C'est oui, ce qui t'élimine toi, mais bon, s'éliminer soi-même. Des... c'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Je pars du principe que. Tu ne peux pas te suicider dans ce jeu, Pénélope. Je le rappelle. Bon, allez, mute. Tac et tac. Alors, allons à gauche pour notre petit cooldown, comme ça ils ont l'air de tous être sur la droite, on est tranquille. Oula, ah oui. Il y a des petits problèmes là. Vas-y, on va aller sur Electrical. C'est bon, on a tendu un micro. Ah oups, pardon, j'ai oublié de vous rebasculer. Si je fais comme Mathieu la fois dernière. Bon ouais, putain, y'a personne qui a électricole.
C'est pas possible, ils sont déjà tous morts, on croise personne. Alors, navigation admin O2. On va aller en admin. Personne à admin. C'est une blague? Je croise personne. Alors, Pierrot, il s'est fait kick de la game, je sais pas ce qui s'est passé. Mais moi, je viens de trouver un corps. J'aimerais savoir où tout le monde est actuellement, s'il vous plaît. Alors, moi, là, j'étais au niveau de admin et je viens de remonter sur cafétéria. Allô? Allô? Alors, dis-moi. J'ai croisé Marco. Là, j'ai perdu. Oh, il y a eu un truc chelou sur Discord. Mais j'ai perdu toutes les cams, là, ouais. Attends, hop, ça revient. Ça va revenir, ça va revenir. Hop, je vous bascule sur les cams. Pendant ce temps-là, les autres, Pénélope, t'étais où? Moi, je venais de faire une tâche en upper engine. Engine, et je descendais vers le sud. D'accord. Moi, j'en étais où dans ta descente vers le sud, Pénélope? Non, mais j'étais vraiment. Je sortais de upper engine. Je suis même d'accord. Pas sûr d'avoir eu le temps de sortir de upper engine. D'accord, j'étais... d'accord. Marco, t'es où? Moi, je suis dans O2 et il a été trouvé où le corps pour info? Je vais le dire après, justement. Je veux d'abord savoir où tout le monde est. J'ai croisé. Ketal, je t'ai croisé à storage, moi. Ouais, t'as fait des mouvements très chelous d'ailleurs. J'ai tourné, ouais, j'ai fait des mouvements chelous parce que je me suis dit, il est chelou, j'ai envie de voir où il va. Il y avait j'aime pas qu'on fasse des mouvements chelous, moi, ça me rend suspicion. Je me suis dit, gens, si les ça se trouve, je me suis dit, si ça se trouve, si je reviens, il y a un cadavre, mais non. Donc, je suis monté en cafétéria et j'ai tourné à gauche vers Upper Engine. Marco, okay. Kyoshiro, t'étais où, tu m'as dit? Moi, j'étais admin et là, je remontais sur cafétéria quand ça. Ok, et Vincent? Et pour le coup, j'ai quasiment... Moi, je te dis, j'étais. J'étais à communication et j'ai croisé Marco qui remontait justement. Et il est où le cadavre? Le cadavre est à Lower Engine, en bas oui. De la salle. Ok, j'ai pas du tout. Je pense que le kill a été fait en moment parce que moi j'ai croisé. Alors, personne pendant 10 mais alors, ans, là, j'étais admin. Bah, en fait... Je suis parti en bas storage, je me dirigeais vers Upper Engine mais en passant par en bas. Alors ce qui m'étonne c'est que je pense que le kill il a eu lieu très récemment parce que quand je me suis dirigé vers admin, j'ai l'impression d'avoir vu. Enfin, il y a quelqu'un qui est passé sous moi dans storage en fait. Et j'avais la vague impression que c'était Tigurius, mais j'ai cru voir du bleu. Après, je me plante peut-être. Alors, Kyo, le problème, c'est que moi, je suis passé d'admin justement à Lower Engine en passant par Storage et je t'ai pas croisé. Donc là, c'est peut-être toi alors. Tu te rends très suspicieux. Non, parce qu'en plus, je suis passé par en haut, donc je peux passer en dessous de toi. Là, tu viens de te rendre très très suspicieux à mes yeux. Non, j'étais en bas et je suis monté dans admin et après de admin. Ah ouais. Et t'as dit que quelqu'un était passé par en dessous de toi. Moi, j'ai des preuves vidéo, si tu veux, donc après. Alors ça c'est pas d'argument. Hein. Mais le problème là c'est. Mais que, non. Si mais et ça se trouve du coup ça se trouve c'est toi que j'ai du coup ça se trouve c'est toi que j'ai vu quand je revenais sur parce que en fait. Oui mais. J'étais au niveau de si tu veux que je remonte plus tôt j'étais au niveau de communication. Après je suis sur storage et remonté à admin. Non mais t'as dit que le kill a dû se faire il y a peu de temps alors c'est Lower Engine donc c'était passé par là-bas donc tu viens non, pas de communication. Non mais si non mais je t'ai dit pourquoi je t'ai dit parce que j'ai vu quelqu'un passer je t'ai dit que j'avais non, vu quelqu'un passer à storage. Je t'ai dit que j'avais vu quelqu'un vous passer à storage et que je pense que c'était Tyrus il me semblait avoir vu de la couleur bleue. Ouais mais enfin fais comme tu veux hein, mais je t'assure que ça fait trop de choses t'as peut-être raison hein, mais ça fait trop de choses que je trouve bizarre. Marco t'as voté pour qui par contre? Marco il était où? Je garde mon vote secret, j'attends de voir le prochain. Ah, c'est très suspicieux, tu sais, ça, c'est très imposteur de garder son vote secret. Parce que moi, j'ai juste une question, il était où le cadavre? Lower Engine, on a dit. Ah oui, d'accord. Bon, bah, si jamais je kick Kyoshiro, mais, après qu'on a perdu, je m'en excuse. J'ai voté pour toi, Ketal. Ah. Moi, j'ai voté pour Ketal. Voilà, parce que magnifique. Il n'y a que Pénélope qui a été safe. On a tous voté les uns contre les autres. Il y a une personne qui a pas voté, mais j'ai pas eu le temps de voir qui c'est. Je précise pour les gens. On mute. Je mute. Tac. Et je repars. Il y a le pit. Alors le problème c'est que toi quand je lis le chat, je fais plus d'un côté. Sur le bouton au milieu de la salle pour lancer une alerte pour une raison très très simple, c'est que si jamais Pierrot qui nous a quitté malheureusement n'était pas imposteur, au moindre kill on a perdu. Donc là il faut tenter, il faut kicker quelqu'un, il faut qu'on se mette d'accord à mes yeux. Maintenant? Ok.
Ok. En fait, si jamais on laisse là, dans 15 secondes, les killers, ils ont leur cooldown. Si jamais ils sont deux, on a perdu. Instant. Oui, d'accord, je comprends. Moi, je... C'est dans les ventes, Vincent, il était pas... Quand on était à storage, toi et moi, et qu'on s'est tourné autour, entre guillemets, il y avait une troisième personne. C'était moi qui étais au niveau du pot, enfin du bidon d'essence, là. Quand t'as fait tout le tour de la salle. Ouais, mais il y avait quelqu'un d'autre. Bah, il y avait nous deux et je sais pas qui. Mais t'as dit Vincent, donc j'imagine que c'était Vincent le troisième. Oui, je crois que c'était Vincent. Vincent, est-ce que tu confirmes cette information? Il n'a pas mis son micro. Vincent, t'entends pas. Pardon. Je te disais, je te confirme mon parcours. J'étais au light, j'avais des quêtes à faire. Je suis passé en dessous de storage. Je n'ai croisé personne à ce... Enfin, j'ai pas bien regardé, donc du coup, j'ai croisé personne. Ah ouais, et parce que t'as retrouvé... y avait deux personnes quand même. Non, mais... Par où je suis passé, okay. Par le bas du bidon et tout, il y avait personne au niveau du bidon, si tu veux que je précise. Ah si, 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 j'étais là. Ah, quand je suis passé, il n'y avait personne. Et je me retrouve à arriver à communication, et Marco remontait à ce moment-là. Et tu venais d'où? Electrical. D'Electrical, bon, ouais. Moi, j'ai... Quand je dis Daylight, c'est Electrical. J'ai une théorie à vous donner, d'accord? Vas-y. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Bon, moi, je suis pas imposteur. Vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas grave. J'ai une théorie. Je pense que possiblement Kétal et Pénélope sont ensemble. Donc, ce que je propose par sécurité, c'est qu'on en élimine un des deux. Alors, je vais être honnête. Si je vais dire deux choses. Marco, Kétal, je vais dire deux choses. On est obligé de voter pour Marco, du coup. Non, moi c'est alors moi non, pas du tout. Mais c'est juste Marco, je veux dire deux choses. Premièrement, si jamais j'étais imposteur, pour moi et vous verrez. Non mais que laisse-moi dire, Marco. Je vais te dire deux raisons pour lesquelles je suis pas imposteur. Premièrement, j'aurais clairement pas lancé ce vote et j'aurais juste tué quelqu'un, on aurait gagné. Ouais. Deuxièmement, au pire des cas, si j'avais été imposteur, d'accord avec toi. Laisse-moi finir. Deuxièmement, au pire des cas, j'aurais lancé une alerte à réacteur ou quoi que ce soit pour empêcher les gens d'appuyer sur le bouton. C'est les deux moves qu'un imposteur aurait fait. Clairement, je suis pas imposteur. Je confirme. Le fait que Pénélope se jette sur Marco, c'est sus aussi. Moi, je confirme ce que dit Kétal, c'est-à-dire que quand t'es imposteur sous cette configuration-là, ce que tu fais direct, c'est que tu balances un réacteur ou un O2. Ah oui, et moi, clairement, le fait que je balance le vote et tout, alors vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi, c'est clairement, ça devrait m'innocenter à vos yeux, mais après, bon, voilà. Pour moi, c'était ni à la base, c'était ni Kiyoshiro ni Marco, parce qu'ils étaient à droite quand moi j'ai découvert le corps à communication et que pour moi c'est quelqu'un qui était parti vers la gauche. Moi, je pense qu'il y a Vincent dans l'eau, que je trouve très, 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 très silencieux. Parce que je ne vois rien, je vais pas parler alors que je ne vois rien. Je veux dire, qu'est-ce que tu faisais quand on a. Moi, j'ai voté. De Tigerius. De quoi? Tu faisais quoi quand on a trouvé le corps du Tigerius, Vincent? Je vais voter pour Pénélope parce qu'elle est beaucoup trop agressive et parce que c'était la plus proche du cadavre tout à l'heure. Mais je suis agressive, encore c'est ma fois, nature. Quand on a croisé le... Ça a rien à voir. Quand le corps de Tigerius a été retrouvé, c'était Kiyoshiro et Marco, j'étais sûr, ils ont voté pour toi les deux, putain. Ah non, mais moi j'ai même pas voté en fait, sur ce vote-là j'ai pas voté. Hein. C'était Kiyoshiro et Marco, je suis dégoûté. Eh ben non, perdu. Voter. Tu as perdu. Kiyoshiro et Vincent. Mais le Kiyoshiro, je vous avais dit Kiyoshiro. Vincent. J'avais fait le call Kiyoshiro précédemment. Et alors, par contre, tu ne m'as pas écouté, j'avais dit Vincent. Et j'ai voté Vincent. Vilain, deux fois. Kiyoshiro est très vilain. Kiyoshiro est super vilain de m'avoir tué. Ah bah je me suis dit Kétal, quand t'as reporté le corps de Tigerius, je repartais pour le faire. Kétal, je t'assure que ce que j'ai dit est vrai. Pour le coup, sur storage et passage en admin, etc. Je t'assure que moi, je suis passé admin, je suis passé par storage et je suis allé en bas à gauche et je t'ai pas croisé du tout. Non, mais du coup, c'est pour ça que je dis que ça se trouve, c'est toi du coup que j'ai vu passer en storage, mais il me semblait avoir vu du bleu, donc je pensais que c'était Tigerius. Mais ça se trouve, c'est toi que j'ai vu. Par contre, il y a eu un problème vu que Pierrot a quitté, ça a fermé le serveur, je vais relancer un serveur. Ah. Okay. Donc, quitte pour. Et il y a Uriel qui dit, ça va être compliqué. Ouais, mais en même temps, c'est manger, trop chelou. Quand je pense que je me suis fait sacrifier. Sur l'hôtel de l'ignorance. Il fallait suivre mon call Kyoshiro sur le truc d'avant, le fait que vous n'ayez pas suivi, etc. Et c'était ouais. Trop chelou. Hein. Bah ouais. Moi, en même temps, ça allait trop vite. Alors, plein d'infos. Alors, moi, ce qui m'a fait rire quand même, Pénélope. Juste avant que je vote pour toi, t'as dit pour Marco. Moi, ce qui m'a fait rire, surtout Pénélope, c'est que t'as dit Kyo, il est safe, il était à droite avec nous. Alors que j'étais pas à droite, j'étais à gauche et je l'ai bien dit que j'étais à gauche à réacteur avec les autres.
Bah alors c'est quelqu'un d'autre que j'ai vu. Mais j'étais sûr d'avoir vu Marco en tout cas. Bon du coup tu me sauvais bon, alors j'allais pas faut dire Chiro. Pardon ? Mais par principe, Vincent il est Chiro. C'est Pete qui dit ça non ? Oui bien sûr. Ouais, par principe au voter Pete surtout ouais. Bah que dalle, j'ai été tué, j'ai rien fait moi, je suis innocent. Ouais ouais, c'est ça ouais. Prouve-le. Regarde, j'étais mort. Non, c'est... Vincent, c'est lui qui, quand on l'a croisé en fait au storage, il est parti à gauche, il a fait son truc à Lower Engine et point barre. C'est là que j'ai compris que c'était lui. Voilà, il en revenait. Et en fait, au moment où Ketal a reporté le corps de Tiburius, j'y allais pour le report en fait. Alors attendez, il faut que je trouve. Non, mais en plus, le pire, c'est Ketal qui m'a fait voter pour Pénélope. Parce qu'en fait, j'allais voter pour Vincent. Mais comme d'un coup, il a dit, ouais, c'était pas Ketal, il a tout compris. Deux minutes, j'arrive. Ok. En vrai, j'aurais dû lancer le. Comme pour moi, les deux, vous étiez chelou. Et toi, en fait, vous défendez trop les autres. Alors, je me suis dit, il y en a un qui a voulu éliminer l'autre, et voilà. Tu vois. Moi, j'ai défendu personne, moi. Non mais le pire c'est que j'aurais dû rester sur mon call to Shiro parce que j'étais trop sûr de moi là-dessus. Mais Pénélope, le fait que ouais, non, bah, ah go Marco, ah go Vincent, ah. Bah non, Marco il dit c'est vous deux, moi je vais voter pour l'un des deux. Moi je fais d'accord, je vote pour toi, bien, ouais. On se met tous les deux, on vote bah pour non, lui. Moi quand quelqu'un vote contre moi, je dis bah non, je suis innocent, t'es con. Et j'essaie de trouver la bonne personne, je fais pas de revenge vote. C'est pas la technique de Pénélope. Non, c'est pas mon. Ouais, tu veux buter, t'es con, on traitera tous les deux dans l'espace. T'inquiète, c'est les premières parties. Je suis pas. Les premières parties, après on va se connaître mieux, c'est mieux. Mais vous remarquerez une chose hein, quand même, c'est que quand Pete ne meurt pas en premier, c'est qu'il est l'imposteur. Direct. Ça n'a rien à voir. C'est quoi ce jeu-là ? Je suis assez d'accord. La cible numéro 1, on sait pas ce qu'il veut. On se dit dans le doute, on le tue. Pierrot, t'es là ? Faut faire ça avec Kyo. Faut faire ça avec Kyo, arrêtez, ouais, pas là, avec Pete. Vous m'entendez ? Ok, parfait, on t'entend. Faut faire ça avec Mathieu. Parfait. C'est vrai. Allez, tout le monde, je lance la prochaine game. Bonne game. Bonne game à tous et pensez bien à vos mutes. Ah, ça va être un petit peu plus soft pour moi là du coup, comme j'ai pas à gérer en même temps les rôles de l'imposteur et le truc. En plus d'être bien présenté, elle est agressive. Je rappelle qu'ils n'ont pas le droit de regarder le chat, donc ils verront pas ces commentaires là tout de suite. Mais moi ça me fait beaucoup rire. Deck. Allez, on va continuer le data. Pour l'instant, on n'a rien vu. Ah merde, oh le con. Oh voilà, le truc à pas faire pour perdre du temps. Pete. Ah merde, j'ai encore une tâche en admin. Alors celle-là, il y a des fois je l'ai fait des premiers coups, des fois il me faut 15 fois. Electrical, le coin de la mort. Alors il y a quelqu'un qui est en security là, il y a les caméras qui clignotent. Ah. J'ai une question, qui est aux caméras ? Ah, je me posais la même question. Là, il y a quelqu'un qui est aux caméras, c'est qui ? J'avais exactement c'est la où, même c'est question. C'est où les caméras ? C'est security ? C'est à security. Oui, oui. Qui est-ce qui est en train de regarder les caméras ? Parce que la caméra clignote rouge. Bah là j'étais juste en train de regarder là. Ok, est-ce que tu as vu quelqu'un sortir de Medbay ? Medbay ? Non, j'ai juste vu Kyoshiro qui sortait de navigation, c'est la seule personne que j'ai vue. De navigation ? Il y a le corps de Vincent PL à l'entrée de Medbay, mais je dis bien l'entrée, c'est-à-dire que moi j'avais pas prévu d'aller dans Medbay, mais en passant dans le couloir, le bouton s'est allumé, donc je suis descendu voir. J'étais pas du tout entrée à navigation ? Ah non, j'ai pas vu, donc c'était pas récemment, alors moi je viens d'arriver au CAM. Non mais, j'étais en admin et Pete m'a vu... Mais il y en a deux qui sont morts. Et que, alors par contre, Ketal, j'en sais rien.
Kétal, on sait pas où il a été trouvé. Non. Bon. Moi, je suis un réacteur, personnellement. Ok. Et ceux qui parlent pas, la Tigurius. En train de faire mes tâches. J'ai vu Kyo, moi. Tigurius au début. Oui. Salut, Kikord. Au début, plus qu'au début, tu m'as suivi un moment. Bah en fait, moi, je voulais rester avec toi pour avoir. Tigurius, je voulais rester avec toi pour avoir un ami tout le temps, pour pas qu'on m'accuse. Mais quand on est passé à côté de deux, t'as pas voulu y aller. Moi, j'avais deux quêtes à faire en nos deux, donc je t'ai abandonné à ce moment-là. Je viens de me rendre compte que vous m'entendiez pas en fait. Tu sais que c'est rassurant quand même, Pete, de t'avoir à côté de moi. J'étais pas très safe quand même. Donc ouais, j'étais en train de dire, il y a un truc qui est très louche quand même, c'est que Marco dit que j'étais en navigation alors que pas du tout, j'étais en admin et que juste moi, avant j'ai le rien dit du tout encore hein, mon ami hein. Pas Marco, j'ai Pierrot pardon, Pierrot. J'ai pas encore pris la parole. Pierrot. Non mais par contre ça c'est un truc que je retiens quoi. C'est Pierrot qui était en security, qui a dit qu'il m'avait vu en navigation. Ouais, alors que, toi, pas du tout, j'étais en admin. Kyoshiro, déjà j'étais en admin. Et que il y avait Pete avec moi et Pete oui, est parti. Kyoshiro il était en admin, je confirme. Voilà, c'est pour ça que je dis que ce que dit Pierrot c'est bizarre en fait. C'est qui a trouvé le corps? C'est Pete qui a trouvé le corps. C'est Pete qui a trouvé le corps, il a dit à Matt Bay. Tigurius, tu le trouves où? Moi je me trouve où? Je me trouve à Low Engine en ce moment. Lower Engine. Ok, mais alors pourquoi t'as pris la parole au début tout à l'heure? Je croyais que c'était toi qui avais trouvé le corps. Ah, pas du non, c'est pas non, c'est pas Tigurius, c'est Pete, c'est Pete qui a fait la. C'est Pete, c'est moi qui ai raconté. Je n'ai pas parlé, moi, quoi. Il a rien dit. Les deux seuls qui n'avaient rien dit, c'était Marco et Tigurius. Voilà. Moi, j'ai juste okay. Pete qui me faisait flipper à me suivre. J'ai cru qu'il allait me défoncer dans un coin, là, donc. Il n'y a pas de double allusion, vous inquiétez pas. Moi, Tigurius, on s'est pas genre croisé, justement, j'étais en train d'arriver à réacteur et toi tu finissais une tâche à réacteur, c'est ça? Exactement, je sortais pour redescendre à Lower Engine, justement. C'est ça, donc je confirme, il était à Lower Engine. Ça faisait pas beaucoup tout ça. Bah ouais, non, là ça. Moi je vais skip parce que. Toi, tu faisais quoi, Pénélope? Ma tâche à réacteur. Mais on est pas censé ne pas skip à 6? Alors, techniquement, tu skips quand c'est impair en fait. Ah oui, d'accord. Quand c'est pair, c'est dangereux de skipper. C'est dangereux là. Mais bon, en même temps, on a aucune. Enfin, la zéro piste. Le premier coup, c'est pas très grave. C'est à partir de 5 où ça devient. Enfin, 5 c'est bon. Après, à 4, si tu skips, t'es mort. De toute façon, à 4, s'il y a deux imposteurs, c'est déjà fini. Ouais, ouais, non mais. C'est pas une technique d'imposteur ça. Donc là, faut que je vote. Je veux pas qu'on vote. J'ai skippé. J'ai suivi le call de Kyo. Ouais, bah t'as une idée de voter contre qui? Moi j'en ai aucune là donc. J'ai zéro idée. Bah, je vote que si je veux pas voter sur quelqu'un dont je sais pas. Ah mais c'est trop tard. Au pif. Ah bah non, trop tard. Ok, je retiens. Marco. Et on Marco, sait pas qui Marco. C'est encore, c'est ça? T'as pas laissé. Il faudrait qu'ils coupent leur micro. Bon, on va retourner en électrical. En général, c'est là où on se fait le plus buter. Ah, bon, on n'aura pas le temps d'aller en électrical. Alors, Pete, il continue sa tâche. Donc, à faire, autant profiter pour faire cette tâche très longue et très chiante. Et voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ah, je vais aller lancer aussi. Merde, je peux pas voir qui est en. Je vais aller lancer Medbay parce que c'est long comme truc aussi, ça va faire. Tac. Ah oui, c'est le seul où il faut obligé de faire use, ça marche pas en cliquant dessus. Et ouais, ça commence déjà à partir en cacahuète alors que. On est qu'au début de la partie. De toute façon. Ah bon, et... c'est bon, je pense savoir qui c'est. C'est pas moi qui ai découvert le corps, mais. On t'écoute, Marco.
Pénélope et Kiro et Shiro, ils sont trop chelous de ouf. Les deux, attends, on arrive en même temps dans la salle, on voit un cadavre, on reporte, mais à part ça, c'est nous qui l'avons tué. Mais surtout, moi, t'étais pas tout seul, il y avait Pete avec toi, Kyo, moi j'arrive de l'autre côté en plus. Bah oui, non mais. Oui, il m'a rejoint quand je sortais des caméras. Non mais Pete, je l'ai rejoint, c'est ça, j'étais au niveau de la sécurité et on est descendu, on est vers le. Et moi j'arrive de l'autre côté. Ce que je vois, c'est qu'au début, quand il y a eu l'alerte, il y a eu un truc, hein, il fallait tous qu'on se réunit là pour réparer quelque chose. Et après, il y avait toi, Pénélope et Kiyo Shiro, vous avez été là. Toi, Pénélope, tu m'as suivi et je me suis vite échappé parce que j'ai l'impression que t'allais me killer. Attends, du coup, t'es en train de nous dire que t'étais déjà à Electrical et que le cadavre, il y a Electrical et que tu l'as pas reporté. Alors là, je t'explique. Moi, déjà, je suis pas du tout à Electrical. Et là, le fait que tu m'accuses direct. Je confirme ce que je viens de dire dès le départ. Je pense que. J'ai une question pour Kyo. Remettons les choses dans l'ordre, c'est toi qui m'accuses en premier, mec. J'ai une question pour Kyo. Ouais. Kyo, ouais. Moi, ouais. Je suis de... en premier entre. Pardon. Tu venais d'où quand on s'est croisé? Pénélope. De Medbay. T'as fait quoi en Medbay? En Medbay, j'ai fait le scanner que toi tu montes dessus. À droite, je t'ai croisé vers Medbay Cafeteria. Je suis allé à navigation. Je suis redescendu à Shields. Et là, j'allais aller vers Electrical, et en fait, j'ai croisé Pete et Kyo qui rentraient dans Electrical. On est rentrés tous les trois en même temps. Je me suis dit, tiens, cool, je vais les coller comme ça. Ouais. Enfin, et puis si j'ai buté le mec en Electrical, faire le tour pour revenir à Electrical, c'est juste un move qui est très chelou. Très très chelou. Et en fait, toi et Kyo Shiro, vous étiez à côté, genre mode pénal. Mais Kyo Shiro, il était pas à côté de moi, t'es complètement fou. Moi, j'ai juste envie que Kiro prenne la parole, et Marco, parce que c'est le seul qui m'a vu aussi. Moi, je veux juste vous donner une info, ouais, parce que Marco, j'étais au Marco, justement, je t'ai vu, c'était à Admin, Marco, je crois, c'est ça. Ouais, après, je me suis échappé par là-bas, parce que j'ai eu l'impression... Il y a eu, les lights, et en partant d'Admin, t'es monté vers 4, t'as pas été vers les lights du tout. Non, pas du tout. Alors, bah oui. juste pour vous donner une info, moi j'étais aux caméras après l'alerte, je suis resté aux caméras. C'est vrai que moi j'ai vu Kyo rentrer en med, puis ressortir de med, et c'est vrai qu'il y est resté longtemps. Donc il est possible qu'il soit allé avec la vente tuer en électricol et revenu en med pour sortir. C'est possible. Ouais, mais pourquoi je serais retourné en électricol après? Allez, je passe juste l'info de ce que j'ai vu moi aux caméras, c'est tout. Non, mais je dis pas que c'est toi, Kyo. Moi je te pose cette question, Pete, quelle est la logique? Pourquoi je serais revenu en électricol après avec toi? Pour faire. Bah, pour dire que tu me suivais, que tu m'accompagnais, j'en sais rien moi. Enfin, je t'avoue. En tout cas, ce que je vois, après, c'est qu'il a dit qu'il faisait scanner, c'est long. Avant de rentrer à Medbay, moi je les ai vus, hein, que t'étais à la caméra de sécurité. Donc, en tout cas, oui, moi, j'étais pas. Tu peux dire ce que tu veux, mais moi j'ai pas été avec Kiyoshiro là, à aucun moment. Moi j'ai des sérieux. Moi écoute, toi et Kyo Shiro, vous êtes trop chelou. Mais arrête. Pierrot, je pense pas parce qu'il aurait eu l'occasion de me tuer. Au tour précédent, vous m'avez éliminé pour cette raison, alors que je n'étais pas coupable. Arrête, ce n'est pas une raison suffisante. Moi je trouve que le plus louche, le plus louche et le plus agressif, c'est quand même Marco. Ouais, je suis d'accord. Mais je te dis, une alerte, il y a. Voilà. Moi j'avoue que Shiro, la truc votes, de Pete, hein, pour info, ça... J'ai deux votes, hein, donc ça peut être les deux que j'avais nommés, hein, pour info. Alors, quoi, il y a un train qui on est on a perdu, c'était Pénélope. Ah non, c'est une prédiction. Yeah. Pierrot, il est trop silencieux, il dit rien alors qu'il joue à Alien dans les ventes. Je vais en Electrical faire trois tasks, je me dis je me mets sur la vente, comme ça les gens... s'il y a un mec qui vient voir dans la salle, il me verra peut-être pas. Il sort de la vette et il me tue, je suis là. Mais oh putain! Par contre, j'en avais quand même un. T'avais raison, Marco, sur Discord, Marco, j'ai essayé de te choper. Ouais, t'as essayé de me tuer, donc j'en avais un sur deux. Bon, mais oui! Désolé, là, parce que toi, tu pas pour Pénélope, c'est doutes, mort la vengeance. Hein. Et puis toi, oui. Pierrot, t'as bien joué parce que c'est le seul moment où t'aurais pu me tuer, tu m'as pas tué quoi. C'est un peu tard, Tiguri, pour le vote. Il était en cooldown quoi. Ah, mais GG pour le coup. Ouais, c'est ça en fait. T'étais en cooldown, c'est moi qui ai tué. Ah non, mais Kyo, désolé. Non, mais y'a pas de soucis. Hein, mais en même temps, t'es chelou. De retour, juste chelou. Juste un truc, quand on est à 6 en général, c'est très risqué de pas kicker quelqu'un du vaisseau. Bah parce que si les imposteurs font un double kill, c'est instant lose.
Ouais. Faut bien se rappeler que dès qu'on est 4, c'est perdu. Alors, Kyo tout à l'heure a dit oui, non, à 5, ça devient important. À 4, c'est bien de sortir quelqu'un. Mais ouais, il y a quelqu'un qui a dit ouais, non, mais quand on est à 4, c'est perdu en fait. Ouais, c'est moi qui dis ça. Ouais, ça m'a fait rire, effectivement. Ah, mais oui, Pénélope, avec ton sourire en coin, ça se voit. Bien joué, Pénélope. En fait, non mais c'est vrai, je t'ai suivi, je me suis dit lui il a déjà des doutes sur moi, faut que je le kill. Et je t'ai cherché partout. Pierrot c'est toi qui fait le kill en medbay depuis la veine. Quand j'ai vu que tu me suivais, je me suis dit oh putain elle va me tuer direct quoi. Et donc Pierrot, moi je cherchais vraiment un ami au début. Il faut que je me casse et qu'il y ait quelqu'un qui voit que... Pierrot, Pierrot, allô. Pierrot, es-tu là? Nous entends-tu? Il bouge. Je sais pas. Mais non, mais il a parlé il y a 2 minutes en plus en répondant. Ah, on a un 9e. On a Uriel qui est arrivé. Mais on a perdu Pierrot. Yeah. Ah, ah voilà. Et ça me casse tout. On a un 9e et un 10e du coup. Non, 9e seulement. On a récupéré Pierrot et Uriel qui arrive. Soir. Voilà. Ah, madame. Comment ça va bien? Oh, il y a même Pete. Oh là là, ça va charcler. C'est pas vrai. On va leur arrêter ça tout de suite. S'il meurt pas en premier, c'est que c'est un imposteur. Et tu dis n'importe quoi, là, je suis pas mort en premier, j'étais pas un imposteur. C'est Pénélope l'impostrice. C'est une grosse hypothèse, Pénélope. J'ai juste une question pour Pierrot. Est-ce que c'est toi qui avais fait le kill au medbay en passant par la vent aussi? En attendant, au tout début? Non, c'est Pénélope. C'était Pénélope. C'est Pénélope qui m'a tué. D'accord. Avec la vent, ouais. Parce qu'en fait, vu que ça a parlé de trucs aux caméras qu'il n'y avait personne et que moi, justement, il m'avait tué depuis la veine, je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est lui qui a fait les deux en passant par la veine. Pour le code, c'est. J'ai alors, faut pas le dire en route, mais il est dans jeu vidéo fun, c'est le dernier code qui est dans jeu vidéo fun. Et on est sur le serveur Europe. Mais... Et Kyo, t'es en mute. Ah, parce que vous êtes sur le serveur Europe. Serveur Europe. Je vais me cacher parce qu'il y a d'où le problème. Et donc, on va être 9, nice. Ouais. Alors, je vais pas changer les settings pour l'instant. Normalement, quand on est plus nombreux, on commence à baisser le kill cooldown. Mais vu que les imposteurs font gagner, voilà. Tout le monde est prêt? Tout le monde tigue. Prêt? Yep. Et ben, bonne game à tous et bonne game. Bonne game. Voilà. Juste pris le temps de refaire le positionnement de la mienne. Et pour les autres, on verra plus tard. Ça va être compliqué, je pense. Alors, navigation. Ah. Shield. Bon, ça, voilà, j'ai à peu près un circuit à peu près simple. Sans trop de prise de tête. Pierrot qui est là. Ok. Allez, on va aller remettre le courant. Ah, un report. Bah, ça commence bien. Alors, c'est qui est mort? Attends, je vais juste remonter comme ça. C'est Marco, c'est moi qui l'ai trouvé. Il est où? Tout ça pour faire son intéressant, je vous jure. À l'entrée de navigation. Enfin, il est dans le couloir qui va vers navigation. Je venais de finir Shield, j'étais avec Pete qui était bizarrement à côté de moi. Je veux dire que je suis bizarrement à côté de Tétal alors. Je dis bizarrement à côté de moi parce qu'il restait très. Enfin voilà, je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait pas sa tâche? Non mais j'ai mis 10 ans à titrer, mais oui, complètement. En fait, j'étais pas loin. Je suis juste à côté dans communication, je suis en train de faire mon DL et Marco il m'a suivi au début. Il y a Pénélope qui nous a rejoint par le bas. Et putain, il y avait quelqu'un à navigation, je me souviens plus qui, il y avait quelqu'un en bas. Moi j'ai été à navigation. Moi j'ai commencé par la droite, j'ai fait navigation, après moi, j'ai été fait à navigation, j'ai commencé par le haut. J'ai fait navigation, shield, communication et storage, et là je me rendais vers l'électricité qui était coupée. En fait ce qui est un peu bizarre c'est que si vous arriviez de navigation à l'instant et que vous n'avez pas vu de corps, c'est un peu étrange. Bah non pas à l'instant. Non mais le kill vient d'être fait très Ouais. En partant de navigation, j'étais avec Ketal. Et j'ai croisé Marco qui lui allait à navigation. Après, en descendant, du coup, j'ai peiné la pépite. Et voilà. Marco, il arrivait derrière nous. Nous, on redescendait. Toi, on t'a croisé à Shield en bas.
Moi, je suis à la communication. J'ai vu Kyo sortir de communication. Ouais. Non, mais soit c'est quelqu'un qui a tué et qui est reparti vers le haut. Donc le kit est super récent, si les gens viennent d'arriver. Vous êtes passé devant. C'est peut-être pas très fort, alors. Soit c'est toi qui a tué, soit c'est quelqu'un qui... Mais non, il y avait encore du monde derrière moi. C'est moi le premier à être entré en nave avant de descendre avec toi en shield, Pénélope. D'accord, mais moi j'étais en shield, je suis arrivé de storage. En fait, l'arrivée de la gauche, c'est l'arrivée de storage, donc c'est pas elle. Moi j'étais... Et c'est pas Ketal non plus, il est en com. Alors, en navigation, c'était moi, Pete. Ah, c'était toi, d'accord. Mais c'est bien moi le premier à grand nave. Il est descendu avant nous tous, en fait. Pete, t'étais où après shield? Je suis sorti, je suis rentré, Marco il est rentré à ce moment-là, et moi je me suis cassé. Pete, c'est étrange. Donc le dernier à descendre de navigation, c'est Pete, quoi, finalement. Non, c'est l'un des premiers à descendre de nave. C'est l'un des premiers. Je pense... Non, c'est même pas ça. Mais justement, t'as été où après shield, Pete? Après shield, j'étais en com. Le shield, les lumières se sont coupées, je voulais partir, et je suis en com avec Ketal. On est sur le truc de gauche. Que Pénélope qui est montée sur navigation. Moi je suis parti à gauche, et Ketal peut dire que je suis avec lui. Ça peut être un self-report. De quoi, moi? Oui, toi. Non, le voisin. Oui. Elle sait pas faire ça. Elle tente poison et poisson, aiguille et anguille. Donc non, elle peut pas avoir fait ça. Si, je sais faire un self-report. J'ai déjà fait des self-reports. Mais je vais pas faire un self-report à 10 quand il y a 10 personnes sur le navire et que je suis sûr que quelqu'un va le trouver. Je vais pas commencer par ça. Ta phrase, elle est vraie, du coup. En plus, je fais pas un self-report toute. Non, mais tout de suite, je veux pas faire un self-report non plus. C'est-à-dire, je l'aurais tué et self-reporté immédiatement, quoi. Vous veniez de descendre, j'étais trop suspecte. Je baissais un peu. Et sinon, ceux qu'on n'entend pas, on n'a pas entendu Vincent du tout. Bah, moi, pour moi, le plus louche, c'est. Il a rien dit. Mais non, mais pas. On arrête Pete. Je suis un réacteur. On est marre d'entendre Pete. Moi, le vote, il reste 10 secondes. Excusez-vous, mais pour moi, on a encore Bah, je skip. Je suis le premier à descendre de nave, je vais en shield et en com, et on me voit à chaque fois. Faut arrêter. Bon, bah. On peut pas faire confiance à quelqu'un qui confond poisson et poison. Ça n'a rien à voir. C'est un autre débat. Bon, on va essayer de remettre le courant cette fois. Ah. Pensez à bien vous mute, y'en a qui sont pas mute. Ouais, y'a moi qui suis pas mute. Qu'est-ce que je fais? Ah merde, j'avais un truc à faire en électricole. Ouais, on va aller se faire tuer en électricole. Pete et Ketal. Bon, du coup, si c'est l'un des deux, normalement il va pas faire de meurtre. Oui, réacteur. Hop là! J'avais un truc en. Je suis aveugle. Hop, tac. On va faire pareil en lower. Storage. Merci, je savais pas comment faire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Alors, moi je. J'étais surpris. Je voulais juste demander, Pénélope, qu'est-ce que tu faisais à Weapon? Malin, toi. Recharger son fusil. Le truc, le siège. Avec les astéroïdes? Ouais. Donc, t'as fait les astéroïdes quand je suis arrivé? Oui. Ouais, exactement. Bon, ben alors, donc tu es un imposteur parce que le canon bougeait pas quand tu faisais les astéroïdes. Ah, c'est normal ça, on a retiré ça, personne peut le voir. Ah, si, okay. si tu fais le canon, toi tu les vois bouger, mais les autres les voient pas bouger. D'accord, parce que moi. D'accord. Ok. Arrêtez de douter de moi comme ça. Je veux parler. Vas-y, t'es curieuse, vas-y. Je veux parler, j'étais à l'électricole en train de faire ma mission quand à un moment donné il y a un mec qui est apparu directement. Dans la grille de ventilation à Electrical. J'ai d'ailleurs paniqué parce que je voulais absolument sortir de ma tâche pour me barrer et faire un report et j'y arrivais pas jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Je remercie cette personne. Eh bah, dis-nous qui c'est vite. C'est moi, c'est Rial. C'est Pierrot.
Ah, Pierrot, bon bah écoute. Non, 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 alors oui, c'était effectivement avec Tricol, mais je suis pas venu de la vente, j'avais trois tâches. J'en avais une qui est à côté de la vente, j'en avais trois, j'ai pas du tout fait la vente là. Attends, attends. Non, mais pas du tout. Y'en a pas un qui vient de se vendre à l'instant là ? Qui vient de se ? Bah, je sais pas, y'a Uriel, il a dit c'est moi, c'est Uriel. Oui, c'est moi qui ai appuyé sur le bouton pour faire le meeting. Ah, d'accord. J'ai cru qu'il disait c'est moi qui suis sorti de la vente. Moi aussi, je fais oui, c'est moi qui suis sorti de la vente. Ah bon, ok, bon bah c'est parti. Non, il a remercié quelqu'un et donc je disais c'est moi, oui, c'est moi qui t'ai. Ok, d'accord. Non, Pierrot, t'es donc sorti. Pierrot, tu disais non, quoi contre, non, je suis pas du tout arrivé par la vente, du tout. Hein. Je suis arrivé, j'avais trois tasques. Ah non, hein, ouais, c'est vrai qu'il a, il a une bonne tête de mec qui fout. Après, franchement, il est mort au premier tour. Il y a un moment, Vincent, je l'ai pas tué du tout. Non, il vient de mourir. Donc, là, donc il vient de mourir. C'est même pas où il était. D'accord. Donc on sait pas où est son corps en plus. Non, non. Pierrot peut pas être imposteur parce qu'à un moment je l'ai croisé à admin. J'étais en train de regarder à la table d'admin. Bah sauf si t'es imposteur aussi. Différentes... Donc j'aurais halluciné. Ouais. Si je suis imposteur effectivement, mais bon. C'est possible que j'ai halluciné. Ah c'est pas nous qui l'avons dit. Hein. Alors après il était en électrical. En tout cas, il est sorti avant moi sans prendre deux veines. Après moi j'ai une question. Pourquoi t'as fait un report du coup Uriel? Parce qu'en fait moi j'ai l'habitude de jouer avec les astéroïdes avec le canon qui bouge. Ah d'accord. Donc quand je vois Pénélope qui fait les astéroïdes alors qu'il n'y a pas d'astéroïdes, si tu veux ça va. C'est un délire. Non parce que ça peut aussi être une technique pour camoufler un cadavre qu'on n'a pas trouvé. Pour faire disparaître le corps. Oui. Mais moi je suis pas comme ça, t'inquiète pas. Tu verras quand je serai imposteur, t'auras des meurs toutes les 30 secondes. Ça tombe bien avec un cooldown de 40, ça va être fort. Bon, on sera deux quand même, on peut se relayer. Ok. Et du coup, Uriel, t'as voté contre... Contre Pierrot. D'accord. Pourquoi ? Et tu sais pourquoi ? Parce que quand il parlait de la vente, il arrêtait pas de bouger ses yeux. Et c'est très suspect. Et moi, je pense que c'est un mauvais menteur. Alors moi, je vois pas vos cams, alors... Il était comme ça, on est... Merde. J'en suis... De toute façon, je sais ce que j'ai. Ah non, je t'assure, je suis pas je vois pas tout le cas, je peux pas jouer dit... avec ça. En plus, je étais tout en haut à gauche pour faire la première, je me suis dit, il vient me tuer, personne ne me retrouvera pas avant un moment. Je t'ai vu partir, je suis bon, tranquille, je fais ni mes tasks. Mais non, j'ai pas vu du tout par la vente. J'étais en mode panique, j'ai même pas eu le temps de finir ma tâche. Quand je t'ai barré, je me suis barré. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. À bientôt. À bientôt. Mais non, vous n'êtes pas sérieux. Qui a voté Pierrot ? Qui a voté pour moi ? Alors, bon, faudrait que je me remette à jouer aussi. Ça peut être pas mal. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Du storage et de l'admin principalement. On va aller là. Ah, bon, on va pas aller là. Bien agressif là, direct des alertes. Ok. Ah, j'ai pas vu qui était rentré en security. Du coup, c'est louche, Uriel n'est pas venu faire le truc ou alors il était vraiment en retard. Au secours, je fais que mourir. Ah ouais, désolé pour toi, Kétal, hein, j'y suis pour rien. Ça doit être long. Et je confirme que ça doit être long. Carte à faire. Ah, très bien, on a encore perdu. Vous avez dit que c'était Pete, hein. Vous l'avez dit, Vincent, il parlait pas, j'étais au début. J'étais innocent au début, j'avais pas fait de kill. J'étais innocent. Toi, quand je disais que Vincent était un... Je vois Pete qui fait plein de suspects, il va à gauche, il va à droite et tout, je me fais... Oh là, Pete, je le sens pas. Je suis admin, je suis à côté du non-non, je fais...
Je vais me décaler vers l'autre côté, là où il y a les cartes à passer. Arrêtez de stresser, Tigris. Et là, je fais la carte et je vois le kill. Je fais ah putain, j'étais sûr. Je suis désolé, Ketal. Je commence à tuer des gens. Mais Pierrot, j'étais persuadé de t'avoir vu sortir de là. Pierrot et sa veine imaginaire. Je suis. Ouais, <c'est ça. rire> T'as sa mort sur la conscience. Tu m'as tué comme un malfrat. Ouais, vraiment. Et je peux te dire que je me suis régalé quand ils se sont écharpés à savoir qui t'avait tué. Ouais, donc le premier kill, c'était pas moi. En même temps, j'ai vu ta technique. Toi, dès que tu dis rien, c'est que t'es un suspect, mec. Mais oui, je vous l'ai dit. Dès que c'est trop bizarre. Ah non, mais même quand je suis pas imposteur, je dis rien quand je vois rien, tu vois. Donc. Si, tu dis plus. Là, t'étais trop silencieux. Mais alors, vous m'avez fait rire sur le premier débat. Là. Je le tue, je vente, et là vous êtes la caméra. Je vous avais quand même dit que c'était Pete. Hein. Mais j'avais rien fait. Mais c'était pas Pete en plus. Pénélope, j'avais rien fait. J'étais innocent, j'avais tué personne. C'est Vincent qui m'a. C'était pas moi du tout. Tout le reste, c'est Pete. Il est totalement coupable. Qui panique comme un con. Ouais. Alors que moi, j'avais bien accusé Vincent. Moi j'étais sage et gentil et je me fais accuser dès le début. Ça a créé des pulsions meurtrières chez moi, j'étais obligé de vous tuer. Quoi ? Il manque une chance, tu n'as pas fait de yoga. Au tout début, je t'ai dit que si tu le défendais parce que t'étais aussi l'imposteur. Ah non, mais ça c'était pour Pierrot. Bah oui, mais ça n'empêche que j'avais raison. Il manque Vincent qui doit appuyer sur play again, s'il te plaît. Ah pardon. C'est bon. Ouais, moi j'ai plus confiance au punk. J'aimerais arrêter d'être imposteur. Là, j'ai changé de couleur, je suis rose. Moi, on change de couleur. Pensez à vos mute. Alors. Ah, fit the light. Ça, c'est le truc à bien faire gaffe quand t'es imposteur, parce que comme toi, t'es pas sujet à ce problème. Tu as tendance à ne pas faire gaffe à ça. Ok, ça a été fixe. Hop là. Alors 9 6 0 4 1. C'est bon. Bon. On va aller faire style qu'on fait la carte. Hop. Tac. Ok. Ressort. Ah. Ok. Qui est mort. Il y a eu vengeance. Je viens de retrouver le corps de Vincent Electrical. Je suis à la cafétéria. Bah, pareil. On était plein, être admin. Je suis en navigation. Et alors, attends, qui? J'ai fixé l'O2. Il y a deux personnes qui m'ont rejoint. Je sais plus qui. En O2. Pénélope et moi. C'était il y a longtemps, ça, non? Il y a 15 secondes. Bon, en fait, à partir du moment où il y a eu la fin de 2, j'ai eu le temps de remonter, de passer par Cafetaria et d'aller à admin. Et Pénélope était sur mes pas. Moi, j'ai eu le temps de descendre. J'ai eu le temps de descendre, d'aller à admin. J'étais avec Uriel, d'ailleurs, notamment. Et tu m'as fait peur à chaque fatigue. Pierrot, t'as trouvé le camp haut, du coup, je me raconte. Il l'a dit, Pierrot. Il l'a dit au tout départ, il l'a trouvé Electrical. J'ai trouvé Electrical le corps. Electrical. Okay. Et j'ai même dit que je m'y dirigeais. Et j'ai croisé Pierrot juste avant à Storage. Je voulais lui faire une vanne, ouais. Mais je me suis dit, c'est pas le moment. Tu faisais quoi, toi? Parce que là, du coup, on avait donc Pierrot. Pénélope, elle a fait O2. Elle a fait Uriel ensemble. Pénélope, elle a fait O2 et d'ailleurs, elle est à un cafétéria. Je pense pas que c'est elle. J'ai une question pour toi, Tigurius. Tu as fait quoi, toi, du coup? Bon, là, à l'instant ou avant?
durant tout ton round, là, grosso modo. Ah, j'ai beaucoup aimé le weapon où en gros fallait tuer les lasers avec les astéro... enfin avec le laser les astéroïdes, j'ai kiffé. Ensuite tu passais à navigation, t'étais à côté d'ailleurs. Alors tu confirmes pour Tiberius. Ouais, non mais ensuite. Tu confirmes qu'il a fait le laser parce que moi je l'ai fait aussi, donc il était avec moi à ce moment-là. Moi quand je suis passé à weapon, il y avait Tig qui s'occupait de la. Avec le siège. La suite qui m'intéresse. Après j'ai fait navigation, il fallait remettre le laser pile au milieu. Ensuite je suis descendu à shield. J'avais une espèce de cristal, il fallait cliquer sur croix, petit machin. Ensuite je suis allé à admin, c'est là où j'ai croisé Uriel. Sur le chemin, je suis passé par storage, j'ai croisé Pyro. Et après je me dirigeais vers Electrical et là, report. J'ai pas de preuve, mais pour moi les mouvements de Tigurus étaient très très chelous et il faisait beaucoup de gauche-droite, gauche-droite. Un peu malaisant. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que Penelope, elle m'a pas dit où elle était et elle parle pas depuis. Si, elle parle Alors, je. T'as répondu trois fois. J'ai dit tout de suite, je suis à la cafétéria. J'ai fait toutes mes petites tâches à Weapons et à Navigation et à O2, et là je suis à cafétéria. Je confirme que. Je n'ai rien à dire parce que je n'ai rien vu. À part que j'ai vu qu'il y avait plein de monde à cafétéria en arrivant. Ce que je disais, c'est que sur ceux qui l'ont. Je me suis dit, ah, tiens, c'est l'heure du déj. Sur ceux qui l'ont, je pense pas que c'est elle, parce que vraiment, on était en haut au moment du vote d'O2, et d'ailleurs, on est revenu à cafette. Moi aussi, t'es curieux. Et voilà. On a quasiment tous été à droite, en fait, là. On était trois à droite. Non, je vous dis que c'est pas moi. Bon. Du coup, Ketal, t'as voté contre. J'ai skip vote, excusez-moi. T'as skip vote. Ok. Pareil. On va skip vote alors. Skip, hein. De toute façon, je vois pas pour l'instant. Puis Vincent, on l'aimait pas de toute façon. Avec avant une caméra, on pourrait voir quand il ment son visage. Je retiens. Il parle pas des imposteurs. Il prend des noms pour la prochaine fois. Il y en a un qui hésite à skip vote aussi, comme ça évite que le vote il dure 3 plombes. D'accord. En fait, le vote il continue de C'est une technique tant d'imposteur que, de laisser durer les votes. Ok. Poison. Non. Allez, c'est cadeau. Bon, bah, tout à l'heure. Alors. Je sais pas où est passé Pete. Je pense qu'il est descendu. Enfin, qu'il est allé à gauche. Ah non, il est là. Alors, avec un cooldown à 28 secondes, de toute façon, c'est mort, ouais, sans sortir. Hop, on fait des tâches un petit peu. On a Uriel en bas à droite. On a Pyro là. Tac, on va faire Steam en rempli ici après avoir été faire le truc. Quelqu'un passe. Là il y a Ketal. Là il y a Pete. Personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Med Bay? Non. Un coin sympa pour buter Med Bay. Il y a rarement du monde. Alors. Marco. Oups. Alors. Reactor. Parce que j'ai pas vu qu'il était en bas. Mais c'était trop proche de moi, à mon goût. Je me suis dit que ça allait être plus simple que de gérer la tâche. Hein. Que de gérer... Merci à mon sauveur parce que j'arrive pas avec la tâche recalibrée là. C'est la tâche recalibrée. Les anneaux. Ah ouais. On vient de te voir avec Pénélope. C'est une galère. On vient de te voir en train de galérer. Alors j'ai vu Pete et moi, on s'est tourné autour un peu en mode c'est toi, c'est pas toi. C'est alors est-ce que tout le monde peut me dire s'ils sont tout seuls? Qui c'est qui est tout seul là? Moi franchement je peux. Je suis tout seul. Non mais là tout de suite à l'instant T, est-ce que vous êtes avec quelqu'un ou pas? Oui, Pénélope. Moi, oui, qui est complètement seul. Et on vient de quitter. Oui, Tigurius avec qui? On vient de laisser Tigurius dans l'électricole, c'est lui? Non, c'est Uriel. Ah, c'est Uriel, pardon, c'est Uriel. C'est le casque à pointe qui me trompe. C'est qui? Alors attendez, Penelope, ok. Uriel, t'es tout seul? Non, Uriel, on t'a vu. Il est en électricole. On l'a vu en électricole. Ok, parfait. Kyoshiro? Ah, moi je suis seul aussi. T'es seul où? Moi, au niveau de Med Bay là. Ok, Tigurius, t'es seul où? Réacteur.
Ok, Pierrot, t'es seul où? Cafette. Pardon, t'es cafette? Ouais, cafette. Ok, et Marco? Il est mort, merde, je suis con. Et attends, attends, non, attends, et, attends, attends, il en manque un, et Kétal. Et Kétal, j'allais dire, non, il prend toujours la parole en mode, alors, où sont les gens? Que faites-vous? Il a raison de faire ça comme ça, il a raison. Non mais en fait je suis dégoûté parce que j'ai trouvé le corps et j'ai vu quelqu'un bouger du corps et j'ai pas tilté la couleur. J'ai fait ma tâche, j'ai vu quelqu'un passer devant Admin parce que le cadavre était devant Admin, c'était impossible de passer dans le couloir sans le voir. Et j'ai vu quelqu'un passer par là et pendant que je faisais ma tâche j'ai vu ça et j'ai vu qu'après qu'il y avait un cadavre. Donc c'est pour ça que je demandais à tout le monde. Donc là il y a Tigurius parce que vraiment c'est immédiat là, le cadavre pour moi il vient d'être posé. Donc il y a ceux qui sont tout seuls, pour moi ils sont suspects. Et Tigurius... Avant. Pierrot, Tigurius, Kyoshiro et potentiellement toi, Kétal, si tu self-report. Potentiellement moi, si je self-report, c'est vrai. Et là, t'es balèze. Et François, tous les trois. Enfin, à part Uriel qui nous a pas vu, mais nous, on l'a vu bosser. Pour moi, Uriel est... Si Uriel, il y a 5 secondes, ça peut pas être lui. Pour moi, là, le cadavre, il vient d'être fait. Je peux me tromper, hein, mais pour moi, là, vraiment, le cadavre vient d'être fait parce que j'ai vu quelqu'un passer devant et c'est impossible que cette température qui passe devant. Là, faut qu'on vote pour quelqu'un ou pas? Un réacteur, c'est impossible. On peut voter. C'est pas encore dangereux, mais on peut. Mais après, faut savoir... Si on a quelqu'un, faut être sûr. Faut être sûr, quoi. Bah, là, ça paraît compliqué d'avoir des assurances. Pour moi, je pense qu'il faut mieux qu'on skip. Pour moi, on skip, mais les trois personnes qu'on vient de voir seules... Les quatre. Pas s'oublier. Après, je peux vous dire les 15-20 secondes que je viens de faire. Effectivement, j'ai croisé Marco. Marco, il sortait de communication. Il se dirigeait vers Torres. Moi, je suis allé vers Shield. Enfin, moi, j'ai jamais Marco. On va voter maintenant. On n'a pas de chance. Non, j'ai dit que je vote moi. Mais je mets une grosse pièce sur Tigurius pour le coup. Eh, vous êtes sérieux? Je m'appelle pas Mathieu. Mais pas loin. T'as du vent. C'est parce que t'as vent. Évitez le bonhomme rose. À plus. Pour la veine de tout à l'heure. Non. Bah pourquoi il a fait ça? C'est pas très utile. Alors, hop, on va refaire style, je fais ça, vu que j'ai fait l'autre tout à l'heure. Je reprends un peu ici. Et on va aller sur Upper. On va pas aller sur Upper Shine. On va se diriger ici. Tiens, c'est louche. Je saurais pas que. Okay, oui. Pourquoi? Parce que il y a pas une mort. Il y a pas une mort. Bah, tant mieux du coup. C'est parce que en fait là quand il y avait le truc de O2, du coup je me suis dirigé vers admin pour faire O2. Et alors qu'il y avait l'alerte O2, il y a Pénélope qui commençait à sortir de O2, enfin de admin. Ah. Et quand elle m'a vu, bah, elle a fait demi-tour et elle est retournée sur O2. J'ai fait, il y a deux flèches, il faut que je sorte, et j'ai commencé à sortir de la pièce, et je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était juste désolé si t'es pas imposteur, mais c'est quand même ultra louche. C'est vrai qu'elle est pas très crédible en plus. Bah, vous écoutez pas mon explication. J'ai dit, en vrai, je me suis gouré. C'est-à-dire, je suis parti en me disant, ah, c'est de l'autre côté, j'ai voulu sortir, et en allant pour sortir, je me suis dit, ah non, il y a deux flèches, et il y en a une qui est dans ma pièce, et donc j'ai fait demi-tour, mais je l'avais pas vu au début. Et Kyoshiro est arrivé à ce moment-là, et je me suis dit, ce couillon, et c'est sûr, il va trouver sa louche. En même temps, oui, il va trouver sa louche. Mais là, il a raison, même temps. Mais par contre, c'est pas. Connais, oh Dieu, tu sais aussi quelles sont les alertes. Non, j'ai joué deux fois à ce jeu, hein, moi je suis les flèches. Pareil. C'est pas moi aussi. Les flèches, elles pointent ma gueule, je suis pareil. Grosso merdo, et donc dans ma tête, c'était genre vers. Ouais, voilà, c'était à O2.
Mais en fait, moi, j'étais dans navigation et moi, je croyais que ça pointait vers... Non, pas navigation, j'étais dans le machin là, admin. Et j'avais l'impression que les deux flèches pointaient une vers O2 et une vers navigation. Et en fait, il y en avait une qui pointait vers O2 et une vers admin dans ma pièce, en fait. Mais non, je l'avais pas vu. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est là. Donc, j'ai fait une demi-tour. Vous croyez ce que vous voulez bah, et j'ai potentiellement fausse alerte, mais chelou. Ouais. Bon après, Kyoshiro, je tiens à dire par contre que j'ai trouvé ça très louche parce que est-ce que c'est possible que les missions alerte soient remplies par plusieurs personnes? Oui. C'est la première qu'il fait. En fait, il y a plusieurs personnes. D'accord. Et en fait, quand même si quelqu'un l'a fini avant toi, quand toi tu l'as démarré, tant que tu l'as pas fini, en fait, ça reste. Elle s'efface pas. Elle s'efface pas en fait. Petit conseil, vous pouvez taper sur échappe ou la croix en haut de la tâche. Si jamais vous faites une tâche et vous voulez vous barrer, que ce soit une tâche justement même... dans le genre qui n'est pas fini par quelqu'un, ou vous même cliquer en dehors du dessin. Ouais, tu cliques en dehors, ça t'éjecte. Hein. Échappe. Alors, juste pour information, moi j'ai fini toutes mes tâches. Ah, moi non. Pas moi. Pas moi. Il ne reste plus qu'une, vous m'empêchez si c'était pas de la tâche. Niveau timing, ça va. Moi j'annonce, il me reste une tâche, après je vais rester au cam pour surveiller. Je vais skip vote, mais donc voilà, c'est tendancieux, dirons-nous. Comme comportement, Pénélope. C'est la seule qui vote pas en plus. C'est la seule qui vote pas. Hein. Oui, elle aime bien faire durer les 49 secondes restantes pour le vote. Bonjour. Je ne relève rien. Je ne relève plus rien. Non, pardon. J'avais déjà fait la transition. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ça devient tendu là. Ils ont fait quasiment toutes leurs tâches. Si on fait pas un double kill, on est dans la merde. On a bientôt fini la quête. Ah, il y a des choses intéressantes là. Ah, il y a une scène mythique à la cafétéria. Ah, c'est drôle. Non, Tigurius et moi on s'est croisés et je pense qu'on se soupçonne mutuellement. Mais, c'est moi où il y a eu un mort là. Ouais, il y a Ketan. Est-ce que je peux parler du coup justement pour ce mort? Vas-y. Pardon. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, moi c'était une tâche après j'allais au CAM. Donc ce que j'ai fait, j'étais au CAM. Ketan est venu, il m'a rejoint au CAM. Et puis là, au cam, j'ai vu Pete qui était à l'entrée de Security. Entrée, je me suis dit, il va me tuer. Donc je sors de cam, et là, je vois le corps de Ketal qui est par terre, coupé en deux. Moi, j'ai regardé les cams, après avoir fait mes filles, je suis reparti. Pete, ça pue. Bah, votez pour moi, mais je te rappelle que j'étais avec toi tout à l'heure, Pénélope. Mais c'est vrai. Mais je sais pas. Il faut éjecter quelqu'un, donc éjectez-moi, il n'y a pas de problème. Non, mais je vais éjecter mes gaffes derrière, c'est tout. Je lui en dois une. Oui, c'est bon, une à qui? En tout cas, c'est pas le Tigurius. En tout cas, là, c'est pas. Je crois pas. Non, là, c'est ni Pénélope ni moi sur ce coup-là. Ah. Parce que vous dansiez. Je m'en vais dans l'espace. Il y a deux votes contre moi quand même, là. Courage, Pete. Au revoir. J'ai pris ma respiration. J'espère que tu sais respirer dans l'espace. J'espère que tu sais retenir ta respiration. Ah merde. Personne ne t'entendra. Triste. J'ai pas vu du tout Ketal, moi. Sinon, je serais resté au niveau de la sécu avec Pupit, mais. Erreur sur ce coup, la grosse erreur. Du coup, ça va être très très tendu. D'ailleurs, Tigurius me suit, c'est génial. Quelqu'un au cam, c'est la fête. Et ben on va balancer du sabotage histoire de faire durer un petit peu le truc. Cela, je sens que c'est mort pour moi. Ah pardon. Désolé, j'ai oublié de remettre le jeu. Merci Eglanti. Alors, 5, 2.
2, 7, 1, 6. Il y en a encore combien? On est encore 4 en jeu ou on est plus? Là, ça va être juste mission impossible pour moi, quoi. Surtout s'ils restent ensemble. C'est juste mort. Je vais aller à sécurité histoire de voir à peu près où sont les gens, mais. Ah, désolé, Barry, que j'avais pas vu. Ouf, j'ai bien fait de pas le tuer là. Il y a qui en cam? Ah, il y a encore Pierrot. Pierrot passe sa vie au cam. Du coup, alors le problème c'est que voilà, c'est que si ça bouge pas, on va refaire un coup de haut deux. Parce que si ça bouge pas, c'est juste c'est mort. Super vite à faire l'autre truc. Bon, du coup, l'idée du principe d'en tuer un et de laisser le chrono filer, ça aurait pas marché, je me serais fait U. Alors là, si on reste tous les quatre ensemble, ça va pas servir à grand chose. Un tour de manège comme ça ou on refait encore un tour? Ouais. C'est vos tasses, bordel de merde. Et moi elles sont finies moi. On est mort, on peut rien dire. Quand même, encore une fois, Pénélope n'a pas fait la tâche, mais il trouve pas ça suspect, quoi. Je sens que c'est mort, de toute façon. Ils restent trop groupés ensemble, c'est juste mission impossible. C'est méga chelou ce tour, là, y'a rien qui se passe. Ouais, y'a rien qui se passe, et juste, encore une fois, Pénélope, y avait l'alerte, n'a rien fait. Non, j'ai rien fait parce que j'étais en train de faire ma tâche en réacteur. Il y avait une tâche en réacteur, au milieu, il y avait une alerte, il y avait une... Il a dit, faites vos tâches, bordel, Kétal, et c'est vrai qu'il m'en reste trop à faire, moi j'ai envie de finir mes tâches. Et donc, en fait, il y avait une alerte dans réacteur, et il y avait une tâche dans réacteur, et je me suis jeté sur ma tâche. Voilà. C'est pas moi. Et qui d'autre a des tâches encore? Moi j'en ai. Moi j'ai fini, ouais, pour une fois. J'ai fini aussi, il n'y a plus rien. Donc il reste plus que Pénélope. Pénélope, boss. On va rester à côté de toi tous, on va être tous autour de toi, comme ça on va te coacher pour tes tâches. Voilà, voilà. On te suit alors. Je me sens bien entouré. On te suit. J'ai presque fini en plus, il doit m'en rester deux. Tu fais tes tâches et on te suit. C'est du management participatif, tu vas voir. Ok, ok, ok. Patricat, quoi. Donc là, là on vote pas, là, là on. Tu veux que je tue Pénélope? Bah, franchement, on suit, toujours. Ouais, ouais, on, maintenant on suit tout Pénélope. Ok. Parce que bon, là, du coup, c'est foutu, hein. Alors, on sait jamais, mais je rappelle quand même en fantôme. Tu veux que je tue qui? Tu veux que je tue qui? Au cas où. Tu celui que tu veux. Alors, Marco. D'accord. Marco vient de se réveiller d'un coup. Il vient de se réveiller d'un coup. Kyo, tu disais tout à l'heure à Pénélope qu'il fallait qu'elle skip et que tu skip pas. Ouais, Kyo, il aime bien attendre 2 minutes 21 secondes. Pardon, excusez, j'ai pas discuté avec le chat. Ouais. Il a bon dos le chat. Alors, on a été très mauvais sur cette partie. Ah merde, mais non, mais pas ça. Pourquoi t'as fait ça? Elle va aller faire sa tâche pendant que tu fais ça. C'était la pire chose à faire, fallait faire du O2.
faut l'empêcher d'aller faire ses tâches. Comment ça, Mito? Bah non, si j'étais vraiment en train de discuter avec Barik en plus. C'est maintenant même mon propre chat, il est contre moi, hein. Ah merde, j'ai pas eu le temps du cooldown du kill. Je suis très 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 triste. Bon allez, quitte à mourir, faisons ça bien. Alors, moi je tiens à dire que là il y a Pyro qui vient de tuer juste devant moi et de report instant. Donc voilà, après c'est vous faites ce que vous voulez, mais. Tu dis que c'est moi? J'ai passé mon temps au cam de tout à l'heure, je balance pit et puis tu dis que c'est moi qui mets un coup dans le tas? Bah. Oh bah ok, écoute, mon vote il est tout fait, c'est bon. Bah normal que ton vote il soit tout fait, mais. C'était où qu'il est mort la personne? Hein? À côté de navigation. Bah, juste de côté des portes fermées là. Navigation du réacteur. Weapon en haut à droite. Weapon. Oui, weapon. D'accord. Voilà, moi j'étais que vous voulez, là, hein, mais coincé, Tigurius venait de partir et... Uriel mort, on en parle aussi d'Uriel qui est mort? Bah justement c'est lui qui... Ah non, il y a qui est mort là, attends. C'est Uriel, ouais. Ouais, c'est Uriel. Ouais, ouais. Moi j'étais avec Pénélope. Les portes, comment ça se passe pour les bloquer en fait? C'est un des imposteurs qui bloque les portes. Mais il y a un endroit où tu peux le faire n'importe quand? Non, bah tu fais. En fait, t'as sur ton option de sabotage, tu peux cliquer pour fermer les portes. D'accord. Quelqu'un peut par exemple marcher et fermer la porte derrière lui pour te bloquer dans sa course. Oui, quoi. Il peut. Ouais, parce que Tigurius, vraiment, j'allais le suivre. Et la porte s'est bloquée juste derrière toi. Et j'ai pu rester coincé. Ouais, je me suis retrouvé comme un con dans la cafette et j'ai voulu aller de l'autre côté et je suis tombé face à Kyo qui était de l'autre côté de la porte. D'accord, non, vraiment... ok. Kyo, tu confirmes ça? Oui, je crois. Enfin, j'ai vu qu'à un moment, on a été bloqué, effectivement, mais après, je saurais pas l'affirmer à 100%, mais en tout cas, ça... enfin, pour moi, c'est Pierrot, là. C'est pas okay, Tigurius, ça, donc... Mais pas du tout. Du tout. Mais attends, j'aurais pas balancé Pete tout à l'heure, j'ai passé mon temps au cam, en plus. Je prends compte, la Pénélope, que si on se foire, il a gagné. Ouais. Donc, pas voté contre moi. Il faut qu'on choisisse. On a 90 secondes pour choisir tous les deux. Parce que les deux. Enfin, je suis désolé, Pyro, vraiment... J'allais dire, je t'en dois une, mais putain. Oui, mais attends, mais au pire, de toute façon, mais, je veux dire, il n'y a même pas besoin de voter, il n'y en a plus que un. Donc il y a juste à suivre, on suit tous, on finit les tâches et c'est réglé. On sait pas s'il n'y en a plus que un. Est-ce que Pete, on avait fait un bon choix? Est-ce oui, qu'il y en a pas deux? Si y en avait deux, ils auraient gagné. Si y en avait deux, ah, ils auraient gagné. Ah, ok. Ah, bah c'est bien ça. Du coup, j'aurais dit Kiyoshiro. Parce qu'il tombe un peu vite sur Pierrot en self-report. Mais c'est du pur feeling. Absolument pas de logique. Bah, en même temps, si je le dis pas direct alors qu'il self-report, forcément c'est encore plus louche. Enfin, c'est l'inverse. Enfin... Mmh. C'est chelou, y'a pas d'argument, y'a rien, y'en a même pas un qui se défend. C'est genre, tu vois, j'arrive, il est sur le corps, j'ai pas le temps de safe report, lui il me voit arriver, tac, il safe report direct, toi, c'est plus le. Enfin. Ouais, t'étales se marrer. Bah non, c'est pas question d'arriver, on est tous bloqués à la porte, j'attends juste que la porte est sous, j'ai pas attendu que t'arrives. Oui. Et puis ça se trouve, c'est ni toi ni moi en plus. La porte, elle s'est fermée. Le corps, il est le long si de la porte. Bah si c'est pas toi, c'est qui? C'est Tigurius. C'est Tigurius. Allez. Ok, super. Putain, je voulais voter pour Tigurius. T'es sûr de ton coup, Pénélope? Non. Je sais pas comment je vais faire. Je suis tout seul. Il faut me suivre pour les tâches là, merde. Ah merde, j'ai plus de safe report moi, merde. Bon, bah, j'aurais tenté, hein. Au moins je suis safe alors que juste
Il y avait zéro moyen que je sois safe, hein. C'est juste pas logique du tout, hein. Mais bon, voilà quoi. Là, c'est quand même la plus belle évasion du monde. Je le crois pas. Allez. Merci d'avoir joué. Bon, normalement, elle a pas le temps de le faire. Ah putain, il y a le report. Ah oui, j'avais oublié ce détail-là. Je viens de trouver un cadavre à O2. Oh merde, j'avais oublié de vous remettre le jeu. Désolé. En croisant Kiyoshiro qui sortait de là. Mais pas de O2 directement. Je l'ai croisé, hein, il sortait de la cafétéria. Enfin, il sortait de Weapons et il allait dans la cafétéria. Et moi, il s'est passé un truc très chelou. J'étais avec Tigurius et Pierrot, qui n'est plus de ce monde. En fait, quand j'ai voulu qu'ils me suivent, et au moment où j'ai passé la porte s'est bloquée derrière moi, donc me laissant complètement coincé comme une andouille. Comme la fois d'avant, quoi. Pénélope, je vais t'innocenter et c'est terminé, c'est bon, on peut aller voter Kyo. Parce qu'en gros, toi tu es retrouvé toute seule de l'autre côté. Ensuite, il y a eu l'alerte, tout le monde est allé au niveau de l'O2. Moi je suis allé à Admin et eux ils sont allés de l'autre côté. Et toi t'as trouvé le corps de Pierrot. Moi sache que je vote Tigurius, moi. La seule personne qui est allée avec Kyo, avec Pierrot, c'est Kyo. Et Kyo, en ressort vivant, donc c'est Kyo. C'est bon, allez. Kiyoshiro, t'es allé à O2 ou non. Vous étiez tous les trois? Non, il est allé à O2. Je suis pas allé à O2, moi. J'étais admin. Et en fait, le seul qui est allé t'étais à O2... T'étais forcément vers O2 puisque je t'ai croisé à Weapons. Oui, je suis d'accord, mais voilà. Je n'hésitais pas, moi. C'était sympa, Kyo, t'as duré suffisamment longtemps. Oh, bonsoir, allez. C'est pas très gentil d'envoyer Kyo dans l'espace. Oh là là là. Moi je suis très triste. Attention. C'est Pénélope? Non. Chaque fois qu'on voit le jeu, ton image est finie. GG! Putain! Bravo! Franchement, j'y croyais plus. C'est trop fini! Bravo l'inspecteur Tiburius, mais vu le nombre qu'il y a eu. À 2 secondes! À 2 secondes! Pas tes tâches, toi! À 2 secondes! Je suis. J'y allais, mais j'y tu te allais. Casses et tu fais tes tâches. Tu vas même pas aider, tu fais tes tâches. Ah là là. Elle était obligée d'aider. Juste un truc, 3, là, 4... si elle récupérait pas le cadavre sur report, il gagne si ouais, 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 à 2 ouais, secondes. Ah, ouais. Je l'ai croisé à la cafette et je l'ai vu revenir seul. Je me suis dit, il a croisé à la cafette et qu'il a eu une suspect. Je vais finir le cadavre. Moi, ce que j'ai trouvé suspect, c'était la porte qui se bloquait juste entre moi et Pierrot. Pénélope, c'était moi. C'était oui, moi qui confirmais à chaque fois Pénélope. Non mais, attends, moi j'aimerais surtout qu'on revienne sur le kill juste avant quand même. Attends, pourquoi tu me J'ai une info déjà importante que Pénélope n'avait peut-être pas parce que je ne l'ai pas dit durant la partie, vu que c'était en partie. Mais un imposteur mort peut toujours faire ses conneries. Donc le mec qui est mort, il peut te suivre en fantôme et te fermer les portes à la gueule s'il veut. C'est exactement ce que je faisais, Pénélope. Mais comme il te restait des tâches, j'essaie de te ralentir le plus possible en coupant les portes. Mais alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand même. Tour, Pete me tue, et il y a eu double event. Hein. Il y avait Pierrot et il y avait Uriel, je crois du coup. Et on était tous les trois bloqués au niveau de la porte. Je tue Uriel. Enfin, je choisis pas. Hein. C'est le jeu qui a choisi de tuer Uriel. Il reporte. Je vous dis que c'est lui qui l'a buté. Et là, d'un coup, mais Pierrot, il est plus sûr alors qu'on n'était que trois. Non mais tu sais Kyo, t'as bien fait de choisir Kyo parce que si ça aurait été moi, je te jure, tu serais pas ressorti vivant. Mais c'est pas moi qui choisis, c'est le jeu qui a choisi. Un kill comme ça, tu laisses pas passer quoi. Mais c'était... J'ai fait... Tu défends Pierrot. Tu nous as pas beaucoup convaincu. Mais non mais dans le chat, en fait, je croyais qu'il y avait une personne de plus avec nous, je ne l'ai même plus. Dans le chat, j'ai dit bon allez vas-y, quitte à être mort, à être fini, genre tue un des deux, et puis vas-y, on met fin à la partie, et là je tente le bluff et ça passe. Bon, par contre, là, est-ce en mode, que je peux jouer mais, plus mais... d'un tour, s'il vous plaît? Tout le monde est là? Non, il manque une personne. C'est moi. Me voilà. Et bah allez, on relance. Bonjour à tous. Il en manque un, on est 9. Non, c'est bon, on est 9, c'est parfait. Bonjour à quand tous. Tu dis mon image, tu dis l'image de ma cam qui est figée.
Alors, l'image de ma cam figée. Je vais essayer de régler ça vite fait. Caméra. Voilà. Normalement, ça devrait être mieux. Bon, après, c'est pas le plus important. Bon, allez, si on allait faire des tâches quand même. Juste du coup d'avoir voté Pierrot tout de suite, alors que du coup Pénélope partait sur Tigarius à la fin et que je pense que j'aurais pu le gagner là-dessus. Et j'ai complètement zappé qu'elle allait pouvoir report et que ça allait stop le cooldown. Bah là pour le coup ouais, c'était beau. Désolé que je vous ai pas remis le jeu par contre, mais Ah, une seconde de la fin de mon download. C'est honteux. Alors qui c'est qui est mort? Ketal. Apparemment c'est Ketal. Ketal qui est mort. Moi j'étais en train de faire O2, puisqu'il y avait une alerte, hein, mine de rien. Et je venais de navigation, où il y avait quelqu'un avec mon... Il me semble avoir vu quelqu'un quand j'en sortais, mais je sais pas qui. Ok. Le O2? Bah moi je... Oula pardon. Les feuilles et la poignée et j'en ai fait 3 en navigation et après je suis retourné en admin où je suis à l'heure actuelle avec plein de gens. Voilà. Décidément ce soir. Je confirme avoir vu Pete je sortais en je sortais d'admin. Et en admin. Il y avait du coup Pete. Il y avait Vincent, il y avait je sais plus qui encore en étant pour l'alerte, et après je repartais vers l'électricole. Et moi j'ai confirme, plein de je confirme gens que Pete était en train de faire son download, vu que moi j'ai fait la carte à ce moment-là en admin, et je sortais avant, au moment où il y a eu le report. C'est pas de ma faute, Ketal. Hein. Merci beaucoup. Pas Pete, Tigarius, tu faisais quoi? Je revenais de la cafétéria, je descendais vers Storage, et juste avant j'étais à O2. Justement pour l'alerte. Je confirme parce qu'il y avait lui et Kiyoshiro, je crois, ou deux. Mais il y avait l'alerte. Oui. Bah moi j'étais un peu seul. Et avant, t'as fait quoi comme tâche? Juste avant, j'étais à l'électricité. Électrico. En fait, pendant que Kyo, tu faisais le O2, en fait, Tig et moi, on était à côté de toi, mais on faisait rien. Kyo, avant d'être en navigation, tu venais d'où? Avant d'être en navigation, je venais d'où? Je venais de la cafétéria. Alors moi, je faisais quoi? C'est qui Weapon. De quoi? T'étais à Weapon, je t'ai croisé quand je suis remonté. Ah bah oui, non mais quand alors. Quand je suis remonté de deux, je t'ai croisé à Weapon. Je fais cafétéria, je suis passé par Weapon, je suis descendu en navigation. Voilà. Mais ok, oui, après, non mais. Weapon avant. Non mais Weapon, j'y suis passé. Les gars, de toute façon, ça changera rien parce que le cadavre, il est, ça fait 30 secondes qu'il est mort en fait. Il est vieux. En fait, je l'ai vu. J'ai fait plein de trucs, ça fait 30 secondes qu'il est mort le mec. En fait, quand je suis passé, j'ai vu report, mais j'avais même pas vu son corps. Parce qu'il a été tué vraiment bien, comme moi j'y avais pas besoin d'y aller. Je vois report, je reviens sur mes pas, je vois report, je fais ah putain, et puis je suis descendu. Et là je me dis, les salauds, Ketal, il a jamais le temps de jouer. Pourquoi ils ont pas tué Vincent? Pourquoi ils ont pas tué Vincent? Ouais, c'est bon là. D'un autre côté... Bon voilà, donc bon, je pense que Pénélope, t'as rien dit en fait. Parce que c'est bien qu'il soit mort, que tu sois non, mort, Ketal, tu m'aurais encore accusé à tort. Bah,
Bah moi je colle Marco. Ces deux-là sont sûrs. Eh ben, colle-moi. Colle-moi, mais j'aime bien parce que Uriel et Pénélope, c'est Marco, ok. Moi, je propose qu'on suive. Bon. Ouais. Il m'aurait encore accusé à tort, sinon. Alors, navigation. Bon, on s'en fout de fixer les lights. J'avais pas fini la navigation, moi, du coup. Ah non, je me suis arrêté pour les faire aux deux. Tac. Hop là. Ok. Allez, on va sortir les poubelles. Au secours. Non mais, tuez-moi, mais après que la tâche soit finie, c'est chiant de devoir la relancer. C'est qui est rose? Et Uriel, il reporte pas là? C'est une blague ou il est sérieux? Eh, j'avais jamais reporté de corps depuis de tout le jeu, de chaque fois que j'ai joué, et là j'en ai deux de la suite. Kyoshiro, il est mort. Vincent, paix à son âme. Vincent, je suis avec toi parce que je sais que t'es innocent. Ouais, non, Marco, des... Marco et Vincent, ils sont restés ensemble. Je suis au calme, je les ai vus ensemble tout le temps. Ouais. Et moi, en fait, je l'ai fait exprès parce que tu sais que t'es innocent. Uriel, t'es chaud. Ah, mais quelque part, ça m'arrange. Uriel, je mort, comme ça, je vais peut-être un peu mieux gérer la régie pour changer. Puis le début, c'est une catastrophe. Ouais, alors, calme-toi, oui, Marco. Oui, je suis là parce qu'en fait, quand tu l'as trouvé où le pain à l'électricité, il faisait pas la tâche. Moi, je l'ai pas. Alors, j'ai fait les ronds. Après, j'ai fait les câbles. Donc, déjà, si tu sais pas. Tu m'as pas accusé quand j'étais imposteur. Donc, bien sûr que je l'ai fait. Il y avait Pénélope en plus. Donc, oui. On était même pas trois, on était quatre. Écoutez, les gars, moi, je veux bien que tu dises des trucs, mais essaye par contre de très bien. Mais alors, je te jure que non. En fait, on a pas joué ensemble. Donc, Marc, tu es le coup, le corps. Moi, Vincent, je sais, Vincent, que t'es innocent parce que je t'ai subi. Et au début, tu t'es retrouvé plein de fois seul avec moi. Et quand j'ai vu qu'on était tous les trois avec Uriel, je me suis dit, il va en buter un des deux. Et en fait, quand il s'est cassé, ouais, j'ai voulu le suivre. Ouais, t'as vraiment peu d'estime pour mon intelligence. Bien sûr, Nico, là. Mais moi, je sais que je te suis. Non, mais depuis la fin, t'es innocent. Je sais que t'es innocent. Electrical, tu le fous, lui. Pas d'avant. Bien sûr. Depuis Electrical. Alors, est-ce qu'on pourrait. Voilà, est-ce qu'on pourrait revenir au truc important, Marco, 5 minutes? Le kill, il est fait à admin. Voilà, quand même. En fait, je admin. Suis la quête pour faire les câbles, pour bien, fixer les câbles. Et en fait, quand je veux faire fixer les câbles, je vois ce pauvre Kiyoshiro qui est mort. Peut-être une vengeance de la dernière partie, personne ne saura. En tout cas, jusqu'à la fin de la partie. Moi, donc, ce que je sens, c'est que toi et Pénélope, vous m'avez accusé. Je t'ai pas accusé. Je voulais bien pouvoir préciser qu'en fait, il a hésité à reporter. Je pense que si, autour d'avant, t'as dit Marco, c'est chelou. Pénélope. Et toi, tu parles pas beaucoup, Pénélope. Mais non, tu parles beaucoup. Mais non, Bah non, mais là déjà, j'arrive pas à en placer une. Et deuxièmement, je t'ai pas accusé. Regarde, elle a un petit sourire en coin. À chaque fois que Marco est accusé, en plus, il se plante. Moi, je dis Pénélope, c'est sûr. Marco, après, Uriel, je le connais bien. Alors, je t'ai pas accusé, je te suis pour avoir un alibi. Arrête de parler. Tu parles trop, Marco, tu parles trop. Marco, mais y'a pas de problème. Je te dis que je te suivais parce que je me cherchais un alibi, je ne te voyais pas le chelou, et toi t'essayes de me fuir. À Electrical, à un moment on était 4 ou 5, j'ai fini mes tâches, il n'y avait plus alors personne. Alors déjà, je t'ai pas croisé de la game, donc quand tu dis que mais je suis si, mais il y en a 6 qui ont été laisse-moi parler. Oui, bien sûr, elle était avec nous à Electrical. Deuxièmement, Marco, toutes les parties... C'est toi qui est là, tu deviens louche. Ouais, des trois parties qu'on a fait. Non mais écoutez, Marco, moi, je te jure, votez pour moi. Marco, laisse-moi parler, sinon ça devient pas intéressant. Marco, laisse-nous parler, s'il te plaît. Sinon, il n'y a pas de jeu. Il reste plus que 30 secondes. Là. L'idée, c'est que Marco, de trois parties que j'ai fait, j'ai pas plus parlé que cette partie-là. Donc, tu vois, ton raisonnement, il ne tient pas. Et j'ai été à chaque fois
Pas un imposteur. Mal positionné la cam de Benel. Donc, non. Mais moi je réponds à 2-3 messages par sur Discord. Effectivement, tu deviens, par contre, tu deviens chelou parce que là tu as voulu monopoliser du temps alors que ça fait 3 parties qu'on t'entendait pas. Donc, Écoute, pas de problème. Vas-y, j'étais mort dès le début, donc c'est normal. Mais peut-être que c'était mieux. Je vais vous remettre le jeu. Moi je dis Pénélope et Uriel, ils sont chelous. C'est Skip qui gagne. Allez, on va faire nos tâches tranquillement. Bon, déjà l'un des deux c'était Lurius. Après le second. Alors, admin. Les petits fils. Tac, tac, tac. Ok. Ah voilà, forcément. J'ai dit soit j'arrive du premier coup. Bon, ça va là. Ah. Pierrot reste tout le temps avec Tigurius, il y a moyen que ce soit lui le deuxième. Ou alors il tient pas à la vie. Bah ouais, en même temps, j'avoue que Marco il laisse pas parler les gens. Il accuse facile sans preuve. Suivre. Ah. On a eu chaud ou on a eu chaud là? Ah mais le kill il s'est fait. Le kill il s'est fait devant nous, on est 4. On est 4, il y a eu le kill, c'est incroyable. Ouais, il y a eu qu'un kill là. C'est mieux, t'entends pas Tig. Voilà, je parlais des 4. J'entendais pas. J'ai on était 4. Le truc. Enfin t'es compris. quand je joue, moi, tu sais, c'est facile, hein, je fais du débat et du sang. Du coup... Il a dans l'eau dans les 4. Non, il y avait Vincent, donc, qui, okay, est mort, il est mort. Qui est mort. Il y avait moi, et après, alors, je sais pas, la troisième. Il y avait Uriel, je crois, qui était là aussi. Non, moi, je suis à l'eau. Uriel, je viens de le laisser au réacteur. Uriel, ouais. Je l'ai vérifié au réacteur, parce qu'en fait, je le vois entrer au réacteur alors que l'alerte se déclenche, je me dis, tiens, c'est bizarre. Non, c'était moi le quatrième. Et donc je vais le suivre, et donc non, il était au réacteur, Uriel, il est clean. Le quatrième, c'était moi. Sans déconner, Marco, c'était moi là. Tu vois, je repense. C'est Marco, Pierrot, Tigurius ou Pénélope. C'est chou. Ouais, non, pour moi, il n'y a aucun doute. J'ai passé toute la game avec Tigurius. Toute la game, il a en plus de 23 points. Je suis à O2, moi. Et j'ai suivi Tigurius pendant toute la game. J'ai fait exprès de vous suivre les deux. Donc voilà, et quand on est arrivé à l'électricité avec Pierrot, et là, il y a eu un meurtre. Donc c'est attends, là tu dis que t'as fait exprès de nous suivre et tout à l'heure tu dis que c'était Uriel. Donc c'est Tigurius. Ouais, mais non, Tigurius, pour une fois qu'il se trompe pas. Non, mais non, j'étais Tigurius tout le long. Pierrot, t'étais à côté de moi, c'est vrai ou c'est pas vrai? J'étais pas suivi tout à l'heure. Non, j'étais avec Tigurius tout le long. On suivi tout à l'heure Tigurius. Mais jamais. Et toi et moi. Attends. Tout à l'heure, tu accuses Uriel, tu dis que c'est Uriel, et là tu dis que tu nous as suivi exprès. Tu changes trop bizarrement. Eh bah ok, pour Uriel, il est où la... Par contre, les molopes, on l'entend toujours pas. Ça, bah on peut pas en placer une par contre, hein. Excuse-moi, mais vous causez en continu, quand j'essaie d'en placer une, c'est impossible. Il bah faut moi qu'on j'étais à O2 pour les alertes. Mais là, ça commence... Écoute. Effectivement, vous étiez tous les 4 ensemble, mais il y en a forcément un qui ment, donc toi, tu parles beaucoup. Nico, tu nous as suivis, oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui. Le meurtre s'est passé à admin. Le truc c'est qu'en gros, je suis désolé, on est quatre agglutinés comme des gros cons et en gros il y a un cadavre dans l'eau. Comment veux-tu qu'on arrive à savoir? Le truc c'est que comme par hasard, au moment où t'arrives et depuis tout à l'heure c'est chelou, depuis tout à l'heure tu fous le bordel dans les débats, moi je suis désolé, j'ai report direct, c'est chelou, voilà, je le dis, c'est chelou et clairement j'ai... Toi, tu me suis plus, c'est mort. Tu me suis plus. C'est grave. Mais non, c'est parce que si tu le suis encore, il va te tuer. Hein, donc voilà. Tu devrais arrêter de le suivre, ça c'est sûr. Il était à côté de moi, je suis désolé, c'est au moment où il s'est pointé. Pierrot était légèrement. Ce qui m'ennuie avec Marco, c'est que je l'ai suivi au début. Moi, j'ai suivi Pierrot. Et qu'il m'a pas tué. Moi, j'ai suivi Pierrot.
Et non, moi je tue personne, je suis innocent. Donc allez-y, tuez-moi si vous voulez. Là, de toute façon, il faut, que quand je dis quelque chose, je dis la vérité. Maman, enfin, c'est un jeu de mensonge. Uriel, tu vas sur qui? Je te suis. Je le fixe à toi. Marco. Marco. J'ai peur pour Marco, ouais, c'est mon problème. De toute façon, moi c'est Marco ou Pierrot, je pense. Parce que s'il y a un double kill, c'est fini là. Donc il faut se défiler, décider. Désolé Marco. Vous avez perdu les gars. Bonne journée. Faut parler moins. Alors, game. Transition. Pouf. Personne n'a été éjecté. Il me reste toujours ma tâche en électrico à faire. Bon, on va suivre Tigurius si je le trouve. Ah bah voilà, parfait. Et Pierrot, j'avais raison sur Pierrot. Ah, bravo. Bravo, tu t'es bien joué. Bien joué. Tu l'as tué tout seul quand même, sans déconner. Tu m'as tué avec... C'était cruel, t'as entendu. À chaque fois, je voulais les tuer, il y avait le cooldown. Et en fait, j'ai cru que je pouvais en faire, il y avait le report. Je vois Pierrot et Pénélope, et je dis bon, il y en a qu'un qui va ressortir. Bien joué, Tigurius. J'ai suivi les deux gars qui étaient ensemble, quoi, forcément. C'est Pierrot. Pierrot, il était trop silencieux. Non mais Marco, il accuse à tort aussi. C'est fou. Marco, franchement, quand t'es arrivé, je me suis dit... Non mais il ose. Marco dit toujours la vérité, voyons. Et je l'accuse. Trop facile. Ah mais t'as bien vu, je l'ai même pas vu arriver, franchement. Non mais j'avoue. Mais en fait, t'es chelou. Je le prends très personnellement. Arrête, t'es chelou de Mais je suis chelou tout le temps. Ça n'a rien à voir. En fait, moi, ouais, je te suivais. C'est une marque de fabrique. Mais oui. Non mais t'inquiète, Pénélope. Tout à l'heure, il disait pareil de moi. Mais... Uriel, t'as un très très bon raisonnement parce qu'effectivement, Ketal, je l'avais tué, mais genre Mathusalem avant, en mode, j'avais le temps de me promener pour tout début de la game, limite. Pour bien me cacher. Ah oui, non mais. Et là, c'était très bon. Effectivement, c'est impossible. Les deux gars que j'ai suivis, c'était deux imposteurs. Pierrot, que je trouvais louche. Bah, en fait, je me suis dit, c'est bon, je vais chercher à faire un double kill. On n'a jamais eu le moment pour le faire, quoi. Oh, nickel. Ouais, mais Marco, c'est j'avoue. Qui C'est que Pierrot, faut que tu rejoignes. J'en ai profité, je t'ai vu arriver avec Pierrot, parce que j'avais bien compris que tu nous suivais pour savoir si on était suspect. Et je me suis dit, il faut qu'on te garde en vie pour t'accuser. En fait, je vous suis dit, parce que pour moi, en fait, j'avais vu que pour moi, vous étiez innocent, comme ça faisait longtemps que j'étais avec vous. Je me suis dit, c'est bon, ils sont innocents. Et puis j'avais l'impression que c'était Uriel et Pénélope, donc voilà, forcément. Tu es l'un des deux, Pénélope et Uriel, pour en gros vraiment t'accuser. Je voulais vraiment t'accuser, j'ai le coup d'après. Ah mais franchement, t'as très bien joué, Tigurius, après d'accuser Marco vu qu'il disait un peu n'importe quoi. C'était magique. En tout cas, bien joué. Ouais, c'est la dernière, après je te laisserai. Ah bah non, okay, je viens de replacer toutes les caméras comme il faut et maintenant... Cette blague. Tu peux la clipper si tu veux, Eglantine. Je vais garder des preuves. Oh merde. Oh, vas-y, je finis mon truc. Ça va être suspect, tant pis, mais c'est tellement chiant le download. Par contre. Ils sont sérieux, ils ont toujours pas réparé là. Ah là là. Juste laissez-moi jouer.
Non mais comment ça 3 kills? Ça c'est chaud. C'est quoi ce coup de slash juste devant moi là? Oh c'est chaud putain. Violent, j'étais sur la map, bon, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. Moi je peux innocenter Marco. S'il est mort devant moi. mais c'est la merde. C'est la merde. Premier tour, 3 morts, c'est violent. Alors du coup moi je suis à Electrical. Et je ne sais pas quand a été fait le meurtre. Ça peut être depuis longtemps parce que j'étais à navigation pour vous donner. Oui, bah désolé, Kétal, hein, c'est pas moi, donc j'y peux rien. Mais donc bon, comme on n'est plus beaucoup, je dis que c'est Pénélope et Kyoshiro. D'accord, ok, super. Ça devient lassant. Non, je blague. Donc du coup, on va voter contre Urial. N'hésite pas, je viens me coucher comme ça. Non, c'est violent. Tu nous as quand même dit tout à l'heure que quand tu étais imposteur, il y avait des meurtres toutes les 30 secondes. Ah oui, oui. Mais alors là, je pense que même là, si j'avais rien dit, ça aurait continué. Hein. Donc, c'était pas forcément la meilleure idée. Là, je suis tout seul. Mais là, faut qu'on tue quelqu'un, là, quand même. Hein. Ben, là, on est 6. Donc déjà, ça devient chaud, déjà. Et on a tué quelqu'un. Indice. Bah non, mais moi, si je alors attends, t'as trouvé ça. Vous étiez où, Pete? T'étais où, Pete? Je suis en admin. En admin, oui, t'étais avec moi, pardon. Oui. Mais ils sont où les corps? Pénélope, là, t'es où, Pénélope? Pénélope, t'étais où? Communication. Communication, ok. Pierrot? Bah, je veux savoir d'abord qu'est-ce qui était avec Urial. Quoi? Je suis tout seul, comme ça c'est facile. Non, alors donc, non, tu n'es pas tout seul, parce que je viens d'arriver, viens d'avoir le kill en fait. Donc, ah non, c'est mon avis, c'est là qu'ils l'ont. Non, oui, il y a quelqu'un qui vient de tuer Kétal, a priori. C'est... En fait, donc, lui, il a tué Kétal devant moi, mais je ne l'ai pas vu parce que j'ai... T'es curieux, t'étais où? Oui, mais ce que je dis, je ne l'ai pas vu parce que j'étais en train de regarder la map pour voir où était ma prochaine... Ah, ma prochaine il est mute. Je n'ai pas vu qu'il l'a tué, j'ai juste vu le corps tomber. Ah ouais, d'accord. Là, vous m'entendez, là. Ça, il a été tué devant toi, tu vas me faire croire ça. T'es t'étais où? À Medbay. Bah, il a aucun intérêt à le dire s'il n'est pas imposteur. Excuse-moi. À Medbay, c'est à côté... De manière assez pratique à Electrical. J'ai rien entendu, excuse-moi. Un Tigurius a dit qu'il était à Medbay et le cadavre a été trouvé à Electrical. J'allais rentrer à Medbay. J'ai pas vu. J'étais pas dedans, j'allais rentrer dedans. Ah. Nuance. Il y a Medbay, il y a Electrical et Shield aussi, parce que a priori Pyro est à côté. Donc, Pyro, tu dis que t'as vu Urial. Enfin, Shield, c'est loin de Electrical. Hein. Non, c'est Urial non, qui non, a... non, 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 il était à navigation. Il était à navigation avec moi. Oh, il y a longtemps. Navigation, c'est à Babel One. J'ai peut-être vu Kios, mais je suis pas sûr du tout. Franchement, mais attends, je suis pas attends, sûr. Attends, mais Electrical, c'est en bas à gauche. Navigation, c'est tout à droite. Oui. Enfin, juste. Oui, bah, c'est qu'il bah, y a eu deux en même temps. Moi, j'ai vu celui de Kétal, c'est tout. Mais on fait quoi là? Parce qu'on est juste quelqu'un. Juste là, récemment, tout de suite. Où est-ce que vous êtes en fait? Tout de suite. Bah, ça sert à rien. Bah, Pierrot. Pierrot, ok. Je sais pas. J'en sais rien. Faut sortir non, c'est pas Pierrot, c'est pas Pierrot, c'est pas Pierrot. Bah là on est mort. Ça serait trop stupide. C'est louche. Là on est mort. C'est grave là. C'est là chaud. Je finis un double kill et c'est fini. Au moins ça aurait été une partie rapide. Quoi, alors, il y a juste un but pratique à faire un report. C'est que comme ils peuvent faire un double kill, on est mort. C'est que là, bien joué. Là, au moins, on leur refile un cooldown de 30 secondes. Je sais plus combien c'est, mais environ 30 secondes. Bon, avant qu'ils puissent refaire un meurtre. C'était et juste l'intérêt du report. En fait, ouais. Là, on est 6. Il y a deux imposteurs. Donc, s'ils font un double kill, ils ont gagné. Ouais. En faisant un report. Voilà. Tu relances le cooldown des kills. D'accord, ok. C'est bien.
Ouais. Donc c'est quoi? Alors, mais là c'est pas un report, là c'est un melting meeting, je sais oui, pas mais quoi. Oui, mais c'est un. Exactement, ouais. Oui, mais report, c'est pas la même chose. Donc là, t'as fait le SAP juste pour nous redonner du temps, quoi. Bah, il faut qu'on éjecte quelqu'un, là, absolument. Ouais, mais si on sait pas donc, qui, je ne sais pas qui c'est, je n'ai rien compris. Là, j'étais en admin, j'ai croisé Kyo, and that's it. Et le seul que je trouve louche dans l'histoire, c'est quand même Pierrot qui dit qu'il a vu mourir devant lui. Dans le sens où il savait pas que j'allais report et il n'avait pas besoin de le buter, quoi. Et là, Pierrot vient de fixer, okay, fixer l'odeur en O2, Pierrot. Donc ça serait stupide de... Enfin, pour moi, pour l'instant, le seul qui parle pas et qui dit rien, c'est Tig. Donc Tig et celle qui est inutile, excuse-moi, c'est Pénélope. Donc, c'est quoi dans le... Et bah oui, t'es inutile, t'as servi à rien. Pierrot, il s'est auto... Non mais attends. C'est sympa, ça, comme... Il s'est auto... Il nous a prouvé qu'il était, pas assez, sans méchanceté, hein, mais qu'il n'avait pas, pas cherché à faire son self-report parce qu'il n'y avait personne autour de lui, personne n'a pu lui dire qu'il avait buté quelqu'un, donc ça n'avait aucun intérêt. Ouais, mais alors, faut pas que tu le défendes trop parce que ça peut être lui et toi. Alors, si c'est lui, franchement, il la mérite, sa game. Hein. Il la mérite. Hein. Parce que ça n'a aucun sens de reporter ce qu'il vient de dire, enfin, de dire ce qu'il a dit. Vu que c'est moi qui ai reporté, il avait juste à fermer sa gueule. Et personne n'aurait su qu'il y avait où elle était mort Ketal, donc ça n'avait aucun intérêt. Donc il y a Tig, voilà, il y a Pete bien sûr parce qu'il n'a pas parlé, et Kyo il arrête pas de faire des trucs. Donc a priori, moi j'ai voulu aller fixer l'O2, mais Pierrot l'a fixé avant moi. Donc c'est vrai que pour Pete moi, allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Pete. Ah, pas beaucoup parce qu'il a pas vu grand chose à part Pierrot qui a fixé l'O2. C'est qui a dit que j'ai fixé avant moi? Pete. C'est moi qui ai fixé l'O2 à haut. Oui, c'est ce que je dis. Pierrot a fixé l'O2. C'est la seule chose que j'ai vu. C'est Tig qui fixe l'O2. Mais c'est Tig, c'est moi. Mais j'ai pas eu le temps de le fixer, le 2. C'est Tig. C'est moi qui l'ai fixé, Pete. Bah, pourquoi c'est moi. Allô, t'es revenu le 2. Tu revenais le 2, c'est pas toi? Oui, mais t'y étais aussi, le 2, non? Oui, mais je pensais que c'était toi qui avais fixé, Pierrot, pardon. Non, mais c'est pas dramatique. Moi, je venais d'arriver. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on sait pas qui... en fait, on a pas assez d'infos, quoi. Est-ce qu'on peut revenir sur le report juste avant, quand j'ai vu le corps de Ketal tomber? Où est-ce que vous étiez tous au report d'avant? Quand tu cliques sur l'image, sur le personne téléphone, te dira où il est. Admin, et j'étais avec Kyo pour faire le clip. Normalement, ça se ressemble à une caméra, un clip qui était avec Kyo. Bah, je crois que Kyo, c'était toi qui étais avec moi en admin, non? Moi, j'étais en admin avec Pénélope. Non, avec Pete, t'as dit, au dernier report. Là, à l'instant, là. Non, pas à l'instant, l'autre d'avant. L'autre d'avant, c'était Pete. Mais celui-là, c'était Pénélope. Là, si vous voulez voter, c'est maintenant, parce qu'il en reste que 10 ans. Non, mais on n'arrivera pas à trouver, donc... C'est ridicule. Ah oui, parce qu'il y en a qui votent contre nous, en plus. Bon, bah, bravo les impôts. Ouais, c'est compliqué, hein. Puis moi je veux plus faire de safe report du coup donc Là il fallait attendre un peu là, pour les tâches. C'est chiant là. Ouais, faut attendre un peu là. Alors ouais, par contre faut attendre légèrement parce qu'en fait du coup on en a qu'un chacun. On a peu, ouais, c'est vrai. Bon, mais du coup il faut qu'on éjecte quelqu'un, je suis désolé là. Moi, j'ai aucune idée de plus qu'il y a 2 secondes, en fait. On vient de faire une discussion de 200 secondes, donc... Bon, après, j'ai eu le temps de faire une tâche. Allez, moi, pas, moi. Bah, moi non plus, mais bon, c'est pas ouf, quoi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Au bout d'un moment, on va se faire avoir. Enfin, il y a des gens qui sont à peu près sûrs, il faut qu'on trouve quelqu'un, là. Ouais. On choisit un au hasard, hein. Ça peut être une possibilité. Ah oui, ok, bah ça, toutes tu plains... Mais même mort, on le laisse pas jouer. Il voudrait pouvoir jouer au moins un fantôme, et tu ne le laisses pas faire. Bon, on choisit quelqu'un de façon arbitraire, c'est ça? Moi, j'hésite entre Tig et Pete. Voilà, clairement, c'est entre ces deux-là que j'hésite. Moi, alors, je peux vous dire que c'est pas Pete. Autant des fois, je veux bien reconnaître que je fais des bêtises, mais là, j'en ai pas faites. Moi, le seul que je peux initier, c'est Marco parce qu'il est mort. Est-ce que c'est mieux, là? Moi je pensais là, que c'était pour rien dire, là il y avait on a rien de temps, on sort, on arrive à admin et puis hop ça sonne, donc en gros
Bon, on choisit quelqu'un à tuer ou pas? C'est la vraie question. Est-ce qu'on est tous d'accord pour tuer quelqu'un? Mais non, oui, mais on n'est pas tous d'accord de qui. C'est ça. Mais ça, c'est pas grave, après on vote, hein. C'est pas de problème. C'est ça, hein. Maintenant, tu as... En son âme et conscience. Donc maintenant, on va voter pour, quel... pour okay. quelqu'un, voilà. Allez. Sinon, nous, on s'en sortira jamais. Ouais, par contre, faut qu'on se mette d'accord. Parce que ça, on vote qui? Moi, j'ai dit. Alors, je vous le dis, hein, j'ai voté Pierrot. Parce que pour moi, c'est le seul qui est louche. C'est tout. Mais c'est je vais remettre le truc sur les overlays parce que je sais pas pourquoi ça plante. Donc, tu es d'accord sur Pierrot louche? Mais il est pas louche. Franchement, il aurait fermé sa gueule s'il avait été imposteur. Ah. C'est sûr. Kyo, c'est sinon, il est vraiment très fort. Non, il reste Pierrot et Kyo. Oui, et Kyo. Moi, je vais voter contre Pierrot alors, du coup. Je vote Pénélope aussi alors. On va encore se retrouver avec un vote partout. C'est pas vrai. J'en sais rien. Ah non. Ah, voilà. Bon, je vais essayer de faire une tâche avant la fin. Ouais, c'est ça. Non. Ah là là. Ah, et puis en plus, Medbay, c'est celle qui est ultra longue à faire. On va la déclencher avant toute chose. Kyo, 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 tu n'es pas mute. Tac. Parce qu'il n'y a pas de raison, moi aussi je peux appuyer sur le bouton. Est-ce qu'on peut faire des tâches même en fantôme? Oui, il faut, mais il faut du temps. Bah non, mais c'est l'histoire d'essayer enfin de se mettre d'accord. Bon, ben, on choisit quelqu'un. Moi, Pierrot, c'est impossible que ce soit lui. Ce serait, il aurait vraiment trop été stupide de se dévoiler alors que c'est moi qui reporte. Il est peinard, il n'a pas besoin de dire que c'est quelque chose d'autre. Moi, ça me paraissait bizarre. Maintenant, on peut choisir Pierrot, hein, mais moi, franchement, je le sens pas. Voilà. Tout le monde, qui veut voter Pierrot? Pénélope veut voter Pierrot, ça c'est sûr. Non, non, fixe je deux, vote plus Pierrot, je vote plus Pierrot. Tu votes plus Pierrot, d'accord. Non, je vote plus Pierrot parce qu'effectivement, bah, mais j'ai aucune idée de qui d'autre. Dans les gens louches, il y avait Pierrot et Tigurius, a priori. Oui, de toute façon, j'ai toujours été louche, hein, depuis le début. Hein. Bah, quand Mathieu est pas c'est là, vrai, forcément, il faut bien remplaçant. Bah oui, c'est ça, peut-être ami, c'est la de Mathieu. Qu'est-ce que t'en penses, Pete? Mais j'ai vraiment aucune idée hein, quand je dis aucune idée. Moi c'est pareil. Bon ben on vote Tig tous et puis comme ça on n'en parle plus. Sérieux, j'aime bien, j'ai rien fait depuis le début. Bah, hein, mec. Moi pas plus Tig que toi. En fait mon problème. Non mais c'est pour faire un truc quoi. Attends, je vais juste dire mon point de vue à moi. Mon problème c'est que depuis tout à l'heure tu parles beaucoup et tu prends le côté alpha genre et du coup on pense plus que ça peut être toi et là tu nous diriges tout ton vote vers Tigurius, d'accord, mais si c'est pas lui en fait c'est juste toi qui est l'imposteur et qui fait en sorte de le sortir. Ça peut être un imposteur et qu'il ait fait un self report au tout début. Voilà. Ouais, alors donc, franchement j'aurais été très stupide parce que après 3 kills je pense que j'en aurais fait plus. Si les mecs ils ont pas vu 3 non, kills. Non, ça c'est pas un argument. Gurial. Si jamais c'est un imposteur, il serait pas en train de me défendre depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, tu ne peux absolument rien faire, Gurial. Donc en gros, t'es baisé. Dans ton raisonnement. Moi j'ai reporté dès le départ. Non mais disons, j'ai reporté dès le départ. Et j'ai pas arrêté de discuter sur le problème. Déjà, c'est déjà plus que ce que t'as fait, Tig. Enfin, faut avouer. Toi t'es resté sur ton truc, t'as fait voilà. Ça fait 10 minutes. T'as même gagné. C'est ça, un peu pratique. Mais non. Kyo, c'est quoi ton idée? Faire des tâches. Mon idée ouais. Personne peut faire des tâches. On n'arrête pas de faire des meetings. Je te dis, t'as potentiellement t'as Uriel qui était un safe report au départ, et après sur un des meurtres, il y avait un doute sur Tigurius et Pierrot. Mais après, ça peut très bien être toi. Après, c'est pas parce que. Le problème, c'est que ça peut être tout le monde. Ouais. Moi, je sais que je suis safe. Bah oui, mais moi aussi dans ce cas-là, tu vois, moi aussi je suis safe. Ouais. Après, ça peut être Uriel et Pete, hein. Enfin, je veux dire. Une belle équipe. Et j'adorerais que ça arrive un jour, mon Pete. Pete ne parle pas beaucoup, Uriel parle beaucoup. Vu ma vitesse de kill, non, ça ne peut pas être moi qui fais tranquille au premier tour. Regarde l'autre. Ouais, pour la partie d'avant, t'en as pas tué beaucoup, hein, Pete. Non, Pete, il pense pas que c'est lui-même, mais à part ça. Ouais. Il faut quand même qu'on choisisse, il reste 50 secondes. Parce que moi j'ai buzzé là, c'est fini. Buzz. Je vais pas voter pour moi les gars, j'accepte pas, j'essaie de faire mes tâches depuis tout à l'heure. À aucun moment j'ai été suspect, j'ai été vu par personne, enfin en gros je fais mon taf, bon. Normal. Je tente Uriel. Je sais pas, franchement... Uriel Moi je vais aller sur Uriel. Uriel il a rien fait. C'est vous faites une très grosse erreur de votre vie. Bon bah écoutez, vous avez perdu, bonne nuit, au revoir. De toute façon faut bien qu'est-ce qu'il peut encore faire un buzz?
Bah, essayons de faire une tâche. Il y avait Uriel qui pouvait en faire un. Bon, normalement, je peux finaliser mon medbay tranquille. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Ah oui, n'importe quoi moi. Okay, si on y va pas, on est mort de toute façon. Il reste 10 secondes. Pénélope, Tigurius, bande d'escrocs. Alors, je l'ai dit quand même. J'ai dit Pénélope, Tigurius quand même. Là, franchement, ma mission, c'est d'envoyer un jeu en plus. Hein. Eh les gars, je vous l'ai dit, alors, c'est Pénélope, Tigurius. Le meurtre de Kéta, c'est tellement drôle. J'ai besoin d'exorciser ce genre en moi, là. Parce que... je fais la game tranquille, je fais la navigation, je descends en bas vers Shield. Il y a Pierrot derrière moi, puis vu qu'il y a une navigation, il avait l'air de faire ses quêtes et tout, je me dis bon bah c'est bon, il a l'air de Pierrot et tout. Et là, Pénélope me bute devant Pierrot, je fais what the fuck. Et là, je vois directement instant report, je fais ah bah cool, Pierrot m'a report, puis là, non, c'est pas lui qui m'a report, je fais. Du coup, je me dis ah les salauds, ils étaient ensemble. Et là, Pierrot, désolé. Putain, il est mort, j'avais la map ouverte, j'ai pas vu. Ah et mais attendez, attendez, derrière, il se passe le vote, il se passe rien, ok. Je descends à communication faire la tâche que j'allais faire à la base, qui est le download de 5 secondes. Je vous jure, la barre est verte, vous lancez un vote, ça dure 30 putains, enfin ça dure 300 secondes. Là, les 300 secondes, elles sont bien passées. Le vote se finit, il se passe rien. Je redescends en bas, je fais mon download, la barre est verte. Paf, vote, j'étais là. C'est moche. C'est là que j'ai dit, mais laissez-moi jouer, ah, j'en putain, peux plus. Dégoûté. Ah, et surtout que le report, putain, juste avant, j'avais voté contre Tigurius, quoi. Tigurius. Oh là là. Non, mais c'était hilarant quand j'ai buté Kétal, parce que j'ai vraiment réagi, genre, merde, il y avait quelqu'un, et personne ne s'est rendu compte que j'étais comme ça. Bah, et... oui. Et je me suis dit, c'est obligé, bah, moi, il m'a pu. Pourquoi vous n'avez pas voté Pénélope, ça se voyait. T'es pas dedans, Pénélope, par contre, là. Moi, c'est ce que j'ai proposé au départ, c'est Pénélope, Tigurius. Parce que ça soit autant quand je suis que quand je suis innocent. Ouais. Mais en vrai, Pete, j'ai pas compris pourquoi t'as pas suivi Auréal sur Pénélope en fait. Bah, je sais pas, je trouvais qu'il parlait beaucoup et il parle moins d'habitude. Il a tendu une perche pour que. Mais attends, Marco. Non, mais en même temps, Pierrot, ça se voyait qu'il était innocent de ouf. Ouais. J'ai vraiment pas vu grand chose sur cette game, j'avoue. Mais tu vois, Marco, pourquoi je parle pas? Boulevard. Pourquoi je parle pas, voilà. Parce que on était obligé, parce que en fait, quand t'as 3 morts au premier tour, c'était obligé qu'il y ait quelqu'un qui prenne le lead. C'est trop pas que t'aimes bien le gars, t'es... Un truc important. Tig. Lui, il allait toujours vers les innocents direct. Et après, et vous avez pas capté, mais à chaque fois qu'il allait vers un innocent, t'avais Pénélope qui ajoutait ah oui, faut aller vers lui. Si, bah, c'est après, pour ça que j'ai Pénélope qui on a arrêté d'accuser Pyro, on va accuser Uriel, et vous êtes tous allés dans le truc, c'était mort de rire. Ouais. J'ai passé une soirée extraordinaire avec vous, je vous remercie. Par contre, t'as quand même été bon quand on est pas. Full combat, full fantôme. Le premier tour, il est parti, c'est rude. Bon, merci à tous, franchement, c'était très très cool les games en vrai. Merci les amis, c'est très rien. Sympathique. Ciao. Salut. Oh waouh, quand il part, lui, il part vite. Ah ouais, même pas eu le temps de fermer le stream et tout. Comme un ninja. Bah, quand même, laisser Kyushiro finir cette soirée avec le stream. Hein. Kyushiro ouais. Est encore mute et qu'il s'en est pas rendu compte. De quoi? Non. Tu sais, il est mute. On a un raid, là, on en fait plus. Là, on voit sa caméra. Non, toujours pas. Soit il parle au stream volontairement, c'est ça. Soit il se rend pas compte qu'il est toujours mute sur Discord. Pardon. Tant pour moi. Ok, on en fait pas une du coup? On est combien? On est 8. Je veux bien en faire une dernière à 8. Allez, pour rien. Allez, la dernière. Alors, juste dernière. Un petit truc. La dernière. Par contre, je veux augmenter le temps des kills. Vu qu'on est que 8. Sinon, ça va être terrible. Puis on peut éliminer Pénélope. Okay. Je passe à 45. D'office. Moi, j'ai eu 2 victoires pour l'instant en imposteur. Je suis bien.
Je vous jure, par contre, T1, je quitte. Ceux qui sont imposteurs, essayez de ne pas tuer Kétal, vraiment. Non, mais en vrai, c'est laisser Kétal en vie. Laissez Kétal en vie. Parce que vous dites ça, je vais être imposteur et vous allez tous dire Kétal, il est encore en vie. Parce que t'as envie, par contre, c'est imposteur. On tuera pas un vote. Si t'as envie plus d'un tour, c'est suspect. Je suis de la merde, du coup. Soit je passe une game de merde, soit je passe une game de merde, c'est génial. Je suis amélioré depuis la dernière fois. D'habitude, je tue les gens devant Dorine en pleine cafétéria. Ah oui, je me souviens. Non, mais le kill là de Pénélope, ça m'a flingué quoi. Pour les jeux de Pierrot, je suis sur ma carte et merde. Je te lâche, genre, allez, vas-y. Bonne game à tous et pensez à moi. Je vais pas. Déjà, ils enchaînent. C'est pas Pénélope, mais c'est 2 heures de revoir. Allez, ils sont sérieux, vas-y. Ouais, bon. Enfin, je dis ça, mais en même temps, moi j'y vais pas. Donc. C'est louche, Pénélope elle est encore dessus, je suis arrivé après et je suis reparti avant. C'est très très louche. Merci. Mais... Le kill a au moins... le kill a au moins 10 secondes en fait, parce que moi comme un gros demeuré j'entre en admin, je commence à faire mon download, je commence à faire mon truc et puis je vais à droite pour faire la carte et en fait le kill est sur la carte, donc à droite de admin. Donc c'est il a au moins 10 secondes puisque j'étais tout seul dans la pièce et personne ne m'a rejoint. T'entends pas Tigurius. Donc voilà. C'est tout ce que je l'avais pas vu du coup. C'est Vincent qui a encore. Ah c'est bon. Non mais Vincent c'est normal, tu me diras, j'ai rien dit. Où ça se trouve, ça peut être juste après vous deux, non? Alors je sais pas dire de quand il date, mais il date de plus de 10 secondes puisqu'encore une fois personne ne m'a rejoint. Alors y a, ouais, moi du coup là j'étais en navigation, il y avait Pénélope et je ne sais plus qui avec moi. Il y avait du monde, 3. Moi je suis passé, j'ai vu 3 personnes dedans. Il y avait, Kyoshiro, Marco et Pénélope. Voilà. Après, il y avait juste un truc de louche avec Pénélope. Bon. Je suis parti après de navigation, j'ai croisé Kétal. Et c'est tout. J'ai croisé et puis Pigro, il me suivait bizarrement, donc moi je me suis cassé. T'as galéré à faire la tâche, Pénélope ? Pigro qui a fait une tâche en navigation très très rapidement, du coup d'ailleurs. Oui, celle où il faut juste centrer le rond. Ouais. Même pour un centrage de rond, c'était très rapide. Pourquoi j'ai l'impression qu'elle nous entend pas ? Ouais. Mais Pénélope, t'as eu du mal à faire ta tâche? Oui. C'est la tâche avec le petit vaisseau là, le long de la ligne, et j'étais en galère. Ok. Tigurius, t'étais où? J'étais à Weapon juste avant d'arriver à navigation. Vous confirmez les autres qui étaient avec vous à navigation? Tigurius à navigation. Non. Alors, je t'avoue que, en fait, je te dis, il y avait quelqu'un d'autre en dehors de Pénélope avec moi, mais je ne saurais pas te dire qui c'était. Alors, j'ai dit, c'est Marco. Moi, en fait, à un moment, j'ai croisé Pierrot en bas, je suis remonté pour voir. Pour moi, on n'était que 3 à navigation. Mais après. Donc, vous étiez tous les 3 à navigation, moi, je suis reparti, et là, Tigurius dit qu'il arrivait alors que moi, j'étais. Ah, bah, peut-être. Non, mais alors, c'est possible qu'il y arrivait, hein, mais comme moi, j'étais dedans. Je suis arrivé, il y a énormément de monde qui en sortait, hein. J'ai pas fait gaffe. Tigurius, il a commencé par Storage. Puisqu'on était deux à descendre vers le bas, Tigurius s'est arrêté à Storage et moi j'étais en Electrical. Moi, à mes yeux, ça... soit le kill il s'est fait il y a vraiment longtemps, genre vraiment méga longtemps. Attends, et attends, redis, c'est-à-dire que toi t'étais en Electrical et t'es allé vers Storage? Non, au début la partie démarre, ouais. Je descends vers le sud avec Tigurius. Tigurius s'arrête au câble électrique en Storage. Moi, heureusement je que tu vas pas avec l'antenne parce que sinon... je reviens des Electrical. Il peut être monté, tué en admin et ressorti. C'est ce que je vais dire, pour moi c'est soit Pierrot, soit... Oui c'est possible, mais je dis juste qu'il est descendu avec moi au départ, c'est tout, après c'est les 5 premières secondes. Si c'est au tout début de game qu'il était à Storage... C'est logique que du coup il soit remonté, qu'il ait tué dans admin et qu'il aille dans Weapon après. Si tu veux mon parcours complet, Pénélope, c'est Cafétaria que je suis allé faire le câble électrique. Donc c'est Storage, Cafétaria et ensuite je suis allé à Weapon. Ouais, en passant par admin. Non, quand il y a eu l'alerte au 2, j'étais déjà à Cafét et j'y suis pas allé. Ouais, il y a eu l'alerte au 2.
Qui est-ce qui a fixé l'O2 en admin? L'O2, c'est moi et Pénélope qui l'ont fixé en haut. En bas, je sais pas. C'est pas moi. Ouais. Non, en haut, c'était moi. En bas, qui a fixé oui, en il y avait bas moi et il y avait d'autres personnes en haut. Donc, qui a fixé l'O2 en bas en admin? Bah, c'est peut-être Vincent, du coup. C'est pas moi. Il a été tué. Le pauvre. Donc, je vais skip vote, mais on est d'accord sur qui on met les trucs. Tigurius et Pierrot pour moi. Alors, ceci dit, Pete aurait pu aussi voter pour Report, hein, on est d'accord. C'est nous. Oui. Moi, j'aurais bien voté, moi. En vrai, même s'ils font double kill, on meurt pas tout de suite, donc on peut se permettre de skip celui-là. Mais c'est le seul qu'on peut skip. Tu voulais voter pour qui? C'était ma seule intervention, maintenant je vais mourir comme un caca. Je ne dirai pas. Alors, ah oula, on va aller lancer Medbay tout de suite. Ça, c'est le truc à faire en premier. Parce qu'après, il y a le super cooldown de 55 secondes. Et on va retourner faire admin. Bon Marco, c'est pas fini ce bordel de me suivre depuis une demi-heure là et de faire le tour de la table avec moi? Non mais moi j'ai envie de voter pour toi, ouais, dire mec. Comme je suis innocent, je te suis. Ouais, alors ça c'est bien une technique d'imposteur ça. C'est ce que j'étais... Non, c'est ce que j'ai fait pareil que Marco. Voilà, j'allais vous suivre aussi. Voilà. C'était quoi? Donc moi en fait, pour moi t'es innocent, je te suis. Moi je vais, en gros, j'explique, je vais admin. En gros, il y a Marco derrière moi comme ça. Attendez, je vais vous faire un petit schéma. Je suis comme ça, je vais admin et Marco il fait ah, je vais monter, je vais admin. Je vais faire la carte de la carte. Il l'a fait un peu plus loin que moi. J'ai la limite niveau portée. Je remonte en haut, il remonte avec moi. Je fais le tour d'appel, il fait le tour. Après, j'avoue, j'avais pas d'autres tâches, donc j'ai subi. Pour moi, t'as pas d'autres tâches? T'as déjà tout fait tes tâches? C'est pas possible, il y en a plein encore. J'ai fait tes tâches, Marco. J'ai pas envie de lâcher parce que pour moi, t'es un mec honnête. Et je sens que t'es pas un tueur. Alors, regarde, tu veux pas que je te dis en face, tu le vois pas, mais je regarde dans le giron. Je vote pour toi, Marco. Toi, t'es gentil. Tu peux voter pour moi si tu veux. Mais regarde, t'aurais pu te tuer dans le truc de la carte. T'es un gars. Regarde, on peut le dire. T'avais pas encore le cooldown. J'aurais pu te tuer dans le truc de la carte. Non, t'avais pas encore le cooldown. C'est pour ça que je me suis cassé direct. T'avais pas encore le cooldown, je me suis dit je me casse maintenant ou je crève ici comme un caca et du coup je me suis barré. Mais il a rien fait. Hein? Parce que moi je te dis, alors vous faites ce que vous voulez, vous, parce que moi je vote par suspicion, mais par lourde suspicion là pour le coup. Le comportement était ultra suspect. Non, mais c'est moi, je comprends ce qu'il a fait. Je t'ai suivi, je veux pas dire le contraire. Pour moi, t'es innocent, je te suis, point. Moi, je comprends C'est un jeu, tu commences à des amis, tu finis tout le monde rendu dans la vraie vie. Marco, il a fait ça. Moi, je fais souvent pareil. Quand il y en a un que je sens innocent, je le suis. Comme ça, j'ai un alibi et j'ai quelqu'un qui me protège. Suivre quelqu'un d'innocent, c'est une chose, mais faire un demi-tour complet, puis faire genre, je fais ma tasque de la carte et tout. Mais moi, je l'ai fait avec Marco. Par contre, c'est vrai que quand je l'ai fait avec Marco, il m'a trouvé louche. Il y a trop de trucs bizarres. La carte, je suis quasi sûr qu'elle n'est pas déportée pour faire la carte. C'est vrai, quand c'est la première fois qu'il joue, quand tu sais pas, c'est quelqu'un, tu le suis. Moi, je suis désolé, par contre, je vais voter pour Tigurius parce que. moi, je le sens pas. Je vais skip parce que je pense que Marco, il est safe. C'est pas de Tigurius, alors ça y est, j'ai oublié. Alors, je vois pas les têtes de tout le monde. C'était tranquille, j'ai voulu rentrer à sécurité pour justement vérifier les caméras de sécurité et report. Mais je suis le meilleur. Non, c'est ça, c'est le mec. C'est dans admin qui est pile, vous votez pour qui là? Moi je vote pour Tigurius. Moi j'ai skip. Franchement, je prends Marco donc je skip. Pierrot, t'as skip? Moi j'ai skip. Ouais. Tigurius, t'as fait quoi? J'ai voté Marco. Moi je vote Tigurius. Ok, donc je vote Tigurius. J'ai suivi le call de Pénélope. Oh là là. Donc là, il y a les deux imposteurs qui ont voté Marco. Pas forcément. Ça peut être inversé. Ils ont voté pour moi. Mais bien sûr que oui. Sérieux, Marco? On est d'accord, j'avais bien skip. Hein. Si je me. Pardon. On va se balancer les claviers à la tête. Encore? Mais... Oui, mais c'est fait. Alors, un truc que vous avez mis dans l'ombre. Par contre, il y a un truc qui va pas là. Parce que moi je suis sûr et certain d'avoir skip. Ouais. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit qu'il avait skip.
De quoi? Le vote ah, du précédent. Donc il y a eu un miss vote. C'était Pyro. Non, c'était si c'était Pyro qui a dit qu'il avait skip. Donc Pyro n'a pas skip. Donc Pyro a menti. Ah si si, non j'ai skip moi. Ah non non. C'est sûr et certain j'ai skip. Moi j'ai rappuyé direct parce que en fait Tigirius, si y en a. Et, et si j'avais pas skip alors qu'il y a qu'un seul skip, j'aurais eu aucun intérêt à le rappeler aux autres. Regarde regarde. Non mais regarde ce qui se passe. Je suis d'accord. Ketal il m'a dit ok, il y en a deux gars qui ont voté pour moi. Moi je sais que Ketal est innocent. Et les deux autres gars, on sait pas d'où ils sortent, ça peut être que les deux killers. Bah non, pas forcément, ça peut être Tigurius aussi, enfin, ça peut être... Moi j'ai voté sur toi, j'ai suivi Pénélope. C'est Tigurius, il a dit que je votais... Alors moi je veux savoir qui a voté pour moi. Non mais Tigurius, je veux dire, Pénélope dit je vote Tigurius, les deux imposteurs, on peut aussi voter sur Tigurius, ça veut rien dire ce qu'on raisonnement. Par contre, là je suis d'accord avec Yoshiro, qui a voté pour moi. Sauf si c'est super pour Tigurius. Soit, il y a ça. Moi je l'ai dit Marco que j'ai voté pour toi, mais il y a pas de galère. Donc ça fait 1, Tigurius, Ketal, ça fait 2, c'est qui le troisième? Bah, ouais. Par c'est contre, qui, Marco, c'est qui Marco, c'est pas trop près de ton micro parce que ça sature à mort. Qui a voté pour Marco au tour précédent? Moi j'ai déjà voté pour Tigurius là à l'instant. Moi j'ai skip. C'est soit Pierrot, soit Pichuchiro qui a voté pour Mario. Ah, moi, c'est sûr et certain, j'ai skip le tour d'avant. Non, c'est pas possible. Bon, bah, maintenant, j'ai une grosse suspicion entre Pierrot et Kyoshiro, donc bah voilà. Et il y a un peu de qui attends, donc non, il y a un attends, des deux qui non, est quel aurait été mon c'est intérêt de rappeler ouais, c'est Kiyoshiro qui a levé le voile sur le truc. Quel aurait été mon intérêt de le rappeler si c'était moi qui avais Mito en fait, tu vois? Pierrot, c'est un peu lever le doute quoi. C'est Pierrot et Tigurius. Il y a rien là. C'est sûr. Moi, je vote Pierrot, là, il vient de se jeter sur le vote en votant Kiyoshiro en se disant c'est bon, ça me dédouane. Pénélope, t'as voté pour qui? Moi, j'ai voté pour Tigurius. Pour moi, c'est logique. Je fais son trajet par rapport à Admin et aux morts de Vincent. Moi, j'ai skip vote pour celui-là. Parce que moi, c'est un vote lancé sur une accusation qui peut être l'un ou l'autre. Donc, Moi, je suis resté sur Tigurius comme Pénélope. Ouh, ça a été tendu là. Et là, mine de rien, les imposteurs, ils ont voté aussi tous qui votent peut-être. Non, non, pour moi, il y a des trucs pas nets. C'était. Moi, j'ai voté Tigurius et Pénélope aussi, donc le troisième. Il faut arrêter de parler, il faut arrêter de parler. On est en jeu. Bon, par contre, j'aimerais bien arriver à faire des tâches quand même. J'ai l'impression d'avoir rien fait depuis trois tours là. Excuse-moi, c'était un peu vénère, Pénélope. Excuse-moi. Mais c'est vrai que là, elle a un petit regard là. Alors, par contre, le sourire, on pourrait presque croire qu'elle m'entend. Ah oui, faut que j'aille valider Med B au fait. Et il me restait une tâche. Je suis plus du tout dans le truc là. Je pense que c'est peut-être mieux qu'on s'arrête après celle-là en fait. Tac. Surtout que bon, quand t'es pas imposteur, c'est quand même moins intéressant pour vous. Allez, on va aller se faire tuer en électrical par Pierrot. Tiens. Tu peux clipper la prédiction là. Alors, allô, qu'est-ce que ça dit? Il y a eu deux kills, on est d'accord. Merde, il y a eu deux kills. Oui, vous m'entendez? Moi j'ai vu le corps de Pénélope. Pénélope, tu me fais flipper là. Et qui reçut. Et je te suis flipper, pour la même raison que toi tu as suivi Ketal. Oui, arrêtez de me suivre. Non, mais Ketal, il fait flipper. Ketal. Je me suis mis à côté de toi, j'ai cru qu'elle allait me buter. Mais non, je suis, te je suis tellement suspect que j'ai auto-tué. Est-ce qu'on peut parler du kill, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut parler du kill? Moi, je suis avec j'étais à Lower Hand Line et je suis passé en. Pardon. Il est sérieux. Moi, je suis avec Marco et Ketal à Upper Engine. J'étais à la cafette au début. Je suis descendu, j'ai fait mes affaires, je sais plus où, attends, à Upper Engine d'ailleurs, et je suis resté par là en fait. Le truc, c'est que Marco, toi tu te fais je suis louche, alors que toi t'as fait la même chose drôle, avec Ketal. Moi je pars du principe que toi t'es innocent, t'es mort, je te suis, et de là toi tu c'est te fais louche quand même. Moi je te suis. Attends, alors, en fait, c'est pas ce qui je sais où est le cadavre, je sais pas ce qui s'est passé.
Je vous l'ai pas encore dit, justement, okay. On va interroger tout le monde. Kiyoshiro, t'étais où? Moi, je vais. Non, j'ai pas demandé à toi, Marc, André, calme-toi. Kiyoshiro, il est mort. Kiyoshiro, hein, donc, il est mort. Ah oui, mais... il vient déjà de se faire accuser d'être louche et de s'être auto-tué. Il vient de faire un self report. Mais j'ai vu. Je vous ai pas dit encore où il était, calmez-vous. En tout c'est cas. C'est un self report. Non, moi j'ai vu quelqu'un monter au-dessus d'une certaine zone et j'aimerais savoir où est-ce qu'il est en fait. Marco. Ok. Polo. Mais Marco, moi, il a dit qu'il était avec moi et Pénélope. Peur en Jack, tout mon truc, je suis allé au début. Par contre, Pierrot parle jamais. Tu dois te faire scanner là. Bon, Vincent non plus en fait, mais surtout Pierrot. Après, je me suis cassé et je suis allé à la cafétéria. Peut-être mort, Vincent. Là, j'ai vu Pénélope qui me suivait. Ah voilà. Oui, Vincent est mort. Non, j'ai vu Koshiro qui est arrivé, qui me suivait et je sais pas, il m'a fait flipper. Donc du coup je suis allé dans l'autre pièce à côté. J'ai suivi Marco. Peut-être. Mais ça vient pas de là. Je suis allé ça dans l'autre pièce à côté. Kiyoshiro, on a pas ton micro. Hein. Ok. Kiyoshiro, laissez le mute, c'est pas possible. Ah ouais merde, il est mort. Pardon. Alors pas. C'est magique, ils vont tous le faire. Hop, et c'est là où j'ai vu Pénélope, qui bougeait pas. Et après elle m'a suivi. Donc là où Kiyoshiro t'étais là, on était à. Marco, alors, arrête. Là, je suis petit suicidé. J'ai croisé Marco. J'ai perdu du temps depuis tout à l'heure, espèce d'imposteuse. Ouais, le corps de Pete a été découvert à réacteur. Attendez, le corps. Je vous le dis, je réacteur, réacteur. J'ai vu Marco et Pénélope à réacteur. Et Marco, je l'ai croisé déjà à café taré. Et à chaque fois, il t'avait fait une princesse sur moi. Je suis barré, à chaque fois, j'ai croisé. Il fait des moves bizarres. Même vers Pénélope, j'ai vu bouger bizarrement Marco. Non, je suis pas d'accord, Pénélope, je vote pour toi. Pénélope, je vote pour toi. Pénélope, j'ai envie de te dire. Marco, sois logique. Franchement, là, j'hésite grave entre Marco et Pénélope. Hein. Vivant, vraiment, Marco, il bouge bizarrement depuis tout à l'heure. Hein. Je te suis. Mais arrête, Pierrot, depuis tout à l'heure, là, tu viens de m'accuser, mon gars. Je vais te faire là, ça me ferait bizarre. Ok, pas de problème. Pénélope. J'espère avoir raison, j'espère t'avoir tort, mais. C'est un truc de ouf d'être aussi con. J'étais avec vous. Coupe ton micro. Coupe ton micro. Ah là elle est vénère. Mais là le problème là, c'était que vous vous preniez tellement là, la tête ils l'ont vénère, là. Que c'était sûr et certain qu'il y avait un de vous deux qui était faux. Mais quoi. On était tous les trois. Comment tu veux que ça soit possible qu'il y en ait un qui soit faux? Je vous dis Tigurius, il est à l'endroit du meurtre. Je vous ai dit c'est Tigurius et Pierrot. C'est tout? Vous avez. Mais vous avez pas écouté, machin. En fait, tu. En fait, j'ai non seulement. J'ai juste pointé les bons. Non, t'as dit Marco. Non, Tigurius depuis le début. Tigurius depuis le début. Désolé. C'était magique. Moi, Tigurius, je suis d'accord, t'as dit, mais t'as aussi dit Marco. J'ai jamais dit Marco. Mais non, j'ai dit Tigurius. Depuis le début, elle le dit. Depuis le début. Oui. Mais c'est juste qu'en fait, pour moi, quelqu'un qui. Exactement ce qu'il faisait il y a 20 minutes. Non, mais ouais, mais en fait, j'avoue, t'as été grave chelou. Et après, quand j'ai vu que Ketal il allait vers toi, je me suis dit, c'est bon, j'ai dû me. Enfin, Tigurius. Mais moi, le pire, c'est que Pierrot, je le trouvais chelou tout le long. À chaque fois, il me suivait des trucs bizarres. Non, mais là où je vous comprends pas, c'est qu'on est resté ensemble pendant au moins 20 secondes. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a eu. Il en reste deux. C'est les deux sur lesquels on a des soupçons. Mais et vous pensez pas à eux, vous pensez à moi, alors que je suis à côté de mais vous parce depuis que... 25 secondes. Parce que pour moi, tu aurais très bien pu faire le kill à réacteur, descendre et remonter avec moi, avec Martin. Mais non, il était avec vous tout le temps. Ah là, ouais, là. Elle était avec vous tout le temps. Shiro était vivant. Pour moi, elle était pas avec moi tout le temps. C'est ça le truc que je veux dire. C'est que moi, il y a un moment, je me suis même dit, c'est les deux là parce qu'ils arrêtent pas de s'engueuler depuis tout à l'heure. Et en fait, ils jouent le jeu et c'est trop bien. Et Pénélope, le fait qu'elle prenne souvent la parole et qu'en fait, à chaque fois que Tigurius posait des questions, Pénélope reprenne la parole et reparle de Marco, il reparle de machin et tout. Pour moi, ça, en fait, c'est un comportement d'un loser qui fait perdre du temps sur le vote. C'est hyper drôle parce qu'on m'a fait. Tout à l'heure, je parlais pas, on m'a dit c'est un comportement d'imposteur. Là, je parle, on me dit c'est un comportement d'imposteur. À chaque fois que je suis imposteur, vous m'attrapez pas. Et quand je suis avec vous, vous utilisez pas mon cerveau. Non, mais c'est ce que je te dis, c'est, je sais pas, il y a un entre deux, mais en fait, ouais, le fait que Tigurius c'était de faire avancer l'enquête et que tu prenais la parole tout le temps, pour moi, c'était grave en mode,
elle cache des trucs, elle va accuser tout le monde. Et parce que Tigurius, ça se voyait comme le nez au milieu de la figure, qu'il voulait faire avancer l'enquête pour pouvoir détourner les... Quand il dit, je sais où est le cadavre, j'ai vu quelqu'un partir vers le haut au-dessus. Non mais n'importe quoi. Ça sonnait faux de A à Z. Mais par contre, non, réellement, il y a quelqu'un qui... Parce qu'en fait, je suis arrivé, moi je me suis mis en ventilation, et je suis arrivé dans une pièce où il y avait Pierrot, et je crois bien que le second, c'était... C'était Marco. On avait fait ça au pif avec l'ancien. Je vais le suivre pour essayer de le buter. Et en gros, dans le couloir, je vois le cadavre de Pete que j'ai laissé. Je fais bah, c'est chelou, il l'a pas dit. Et en fait, je vais le dire à sa place. Je confirme, vous êtes tous passés devant mon cadavre. Mais merde. Le petit train est passé devant sans vous prendre. En... Ouais, on est passé devant ton cadavre. Ah merde. Ouais, vous êtes, en fait, vous êtes passé dans le couloir, mais vous n'êtes pas entré en réacteur voir mon cadavre. Ouais, c'est ça, parce que moi, j'ai pas vu le bouton report. J'avais bien voté Marco et ça a sauvé Tigurius en plus. Ouais, c'est ça. Mais à la seconde où Kiyoshiro et Pierrot ont été suspects l'un et l'autre, quelqu'un a dit c'est Pierrot ou Kiyoshiro. Pierrot, à la seconde où vous dites ça, grave, il vote pour Kiyoshiro. Ouais. Moi, je fais c'est bon, c'est Pierrot. Non, j'avais pas voté. J'ai jamais voté Kiyoshiro. J'ai jamais entendu que t'as accusé Pierrot de mon côté. Alors, du coup, peut-être que j'ai pas fait attention ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est Kiyoshiro. Ah non, elle l'a dit. Elle a vraiment accusé Pierrot. C'est improbable. Depuis le début de la partie, ils nous accusent en plus. Mais c'est pas improbable, Tigurius, c'est parce qu'en fait, il y a un bug dans le jeu. Alors, il y a deux trucs que je veux dire par rapport au jeu. Le premier, c'est qu'il y a un bug dans le jeu, c'est que de temps en temps, il faut relancer le serveur parce que, au niveau des probabilités, plus t'es imposteur, plus t'as de chance de l'être. Donc, c'est normal que tu sois très souvent au bout d'un moment. Donc, là, pour ça, c'est la fin de la soirée, j'ai gardé le serveur, mais en temps normal, après, tu changes de map, comme ça, ça remet tout à zéro. Deuxième chose, c'était par rapport à la game précédente, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est parce que la game précédente, vous arrêtez pas d'utiliser vos emergency votes. Ouais. Pour briser le vote, pour briser le cooldown du kill, quoi. C'est ça. Alors, c'est bien, mais il faut attendre que le cooldown il soit passé, en fait. Déjà, en fait, ouais, non, mais déjà, premièrement, je crois pas que ça enlève entièrement le cooldown du kill. Je crois que quand le cooldown du kill est actif et que tu fais un emergency call, ça remet genre que 10 ou 15 secondes comme en début de partie. Et deuxièmement, faut penser qu'on a un seul emergency call. Donc, si vous le claquez pour un truc bidon comme ça, et qu'un jour il y a un mec qui vous colle au cul et qui vous court après, alors c'est parce que tu l'as configuré. Tu l'as configuré sur 1, tu peux le configurer sur plus. Oui, mais faut garder un, justement, sinon les gens ils passent leur vie à faire ça. Oui, je sais, non, mais en général on le fait sur 1, ou voire 2. Mais par contre, non, quand tu fais l'emergency call, ça reset le cooldown, en fait. C'est vraiment un doute là-dessus. Mais si c'est un vrai reset. C'est un vrai reset. Okay. Donc c'est pour ça. Okay. Mais par contre, le truc c'est que, tu vois, moi quand je l'ai fait, on était pas loin, je pense, des 40 secondes, 30 ou 40 secondes. Par contre, les deux qui ont été faits après, ils ont été faits coup sur coup et très rapprochés. Et donc ça a, entre guillemets, moins été utile. Puisque il y a pas eu le t'as pas eu le temps du cooldown qui est passé, en fait. Tant que leur cooldown n'est pas passé, ça sert pas. Sûr d'une chose, c'est que le timing du deuxième était le même que le tien. J'en suis sûr et certain parce que je suis allé faire mon putain de download et ça s'est fini au même moment quand le truc était vert. Mais genre, on pissait là. Parce que nous, il y a eu l'emergency quand même. Moi, on a eu l'emergency et après l'emergency, j'ai fait le report. Non, en tout cas, moi, les deux fois, je me suis tapé le truc vert. On l'a fait trois fois, l'emergency report. Non, mais en fait, par contre, moi, j'ai pas compris dans la partie précédente parce que Tigurius, là, la dernière, il a eu trois votes et j'ai eu deux votes. Pourquoi il a pas Non, t'as eu trois votes aussi. Ouais. Non, t'avais eu 3 votes. Non, t'avais eu 3 votes. Je suis d'accord avec toi. J'ai dit en fait, j'ai voté comme toi et ça fait 3-3. Mais pour moi, c'est là que j'ai eu vraiment le... C'était sûr, non, mais quoi. La première... Pourquoi tu dis que je t'ai pas écouté, Pénélope? 3 et 3. Donc moi, j'ai remis un emerging call. J'avoue que je suis con, par contre. Non, mais j'avoue que j'étais con. Je suis d'accord. Je suis d'accord, Marco, parce qu'en gros, moi, j'avais skip. Sur le deuxième tour, je lui dis je vote pour personne, etc. Pour éviter que je sois accusé. Et en gros, il y a bien eu 3 votes pour moi et 2 contre toi. Donc techniquement, j'aurais dû passer dans l'espace. Ouais, mais il y avait eu 3 skips. Ouais, il y a eu 3 et 3. Non, mais il y a eu 3 skips. Donc il y avait égalité avec les skips. Mais par contre, là où je suis d'accord avec Penelope et que je suis trop con, c'est qu'au moment où Kiyoshiro lance le truc du Pierrot, il a pas skip ou moi j'ai pas skip. Et au moment où Kiyoshiro meurt, j'aurais dû me dire bah c'est Pierrot, je suis trop con en fait là-dessus. J'ai oublié le début de partie, j'avoue. En y repensant, c'est obvious. Eh ouais. Surtout que c'est Pierrot qui m'a tué. Détective Penelope avait frappé. D'ailleurs, dans la partie, quand j'ai vu Pierrot me suivre derrière, j'ai fait bon, c'est bon, il va me tuer. Et pouf, il me tue. Parce qu'on comprend rien, vous parlez tous en même temps, c'est terrible. C'est horrible. En fait, à la fin, quand t'es parti sur Penelope, je t'ai suivi. Mais tu serais parti sur Pierrot, j'aurais suivi sur Pierrot, en fait. Parce que je savais que t'étais innocent, donc je me suis dit c'est bon, bah. Parce que pour autant, j'ai raison. Mais c'est pas pour autant que vous avez raison. Hein. C'est un cadeau quand Ketal a dit on vote pour Penelope. Ok.
Ah, mais c'est. En fait, t'es meilleur en tant que fantôme que quand t'es vivant. En fait, c'est notre première partie ensemble, mais il y a des comportements qu'on tilte pas. Et moi, ce comportement-là, avec les gens avec qui je joue d'habitude, je parle, j'accuse tout le monde, je change de sujet de conversation, je fais gagner ouais, du temps à qui le tu vote, joues. Les secondes s'égrènent et qu'on n'ait pas le temps de réfléchir. Pour moi, ça, c'est un comportement d'imposteur, c'est pour ça, en fait. Mais my bad. Mais attends, j'ai pas gagné de temps du tout. Si tu re-regardes l'émission, j'ai fait moi, je vote Tigurius. Point. Non mais à chaque fois que Tigurius essayait d'avancer le truc du kill, encore une fois, toi tu relances, j'ai ah mais machin, oui moi j'étais la rage. Enfin, je te jure, moi j'avais trop l'impression que tu reprenais toujours la parole. Regarde Tigurius comme il est refait. Remets-toi le replay, je n'ai pas changé de suspect de tout le long, j'ai eu une réflexion très claire par rapport à son trajet, et je disais, moi je vote Tigurius, et après je parlais plus. Non mais au début oui, mais sur le dernier vote, pas du tout, et moi c'est sur le dernier vote que ça m'a machiné. Parce que tu commençais à m'accuser, et l'autre qui dit c'est chelou, elle me suit, alors que vous êtes les deux innocents, bien sûr que je vous suis. Pénélope, il y aurait eu Mathieu, il y aurait eu Mathieu présent. On va peut-être clôturer la soirée là-dessus. Mathieu aurait été présent. La manière dont tu m'as... Vous m'auriez non, tué. Genre, très... en fait, vraiment. Mathieu, vous l'auriez écouté parce qu'il me connaît par cœur, comme moi je le connais par cœur, et vous. J'aurais pas tué autant. C'est sûr et certain. Oui, mais de toute façon, c'est en général quoi. Mieux se connaître, vous m'avez pas tué encore devant vu Pénélope. Imposteur, hein. C'est vrai. Devant ouais, moi aussi, je suis deck, j'ai pas été imposteur. C'est... Enfin, non, c'est on t'a pas imposteur. Par contre, apparemment, tu es meilleur autant que fantôme que vivant. Tu stresses, tu vois, tu transpires, t'as chaud, tu fais. Je me vois. C'est sûr que non, parce que j'ai 10 fois plus de facilité à jouer ce genre de personnage que les autres. D'ailleurs, regarde, quand je dis la vérité, tu me niquais direct. Bon, c'était la dernière. Ouais, c'était la dernière. Est-ce qu'on peut stream là-dessus et qu'on pourra papoter de notre côté tranquillement Bon, allez. On va dire au revoir à tout le monde. Au revoir. Et ben, ciao tout le monde. Bonne soirée. Merci d'avoir regardé. C'est quoi le prochain, le camp? Le prochain stream, ça doit être lundi, ça doit être les cartes sur table, normalement, si je ne me trompe pas. Oui, et en plus de ça, il y a le... Merci de le rappeler, Kyo. En plus de ça, il y a le tirage au sort du concours pour Star Wars Destiny. Pour donc, les deux sets de cartes, ouais, complètement. Ah, et sur Facebook, c'est ça? Tout à fait. Il faut aller commenter sur Facebook en disant le mot-clé qu'on a dit durant le dernier stream des cartes sur table, il y a une semaine et demie. Tout à fait. Et vous pouvez retrouver nos vidéos à peu près 48 heures après sur YouTube. Sur la chaîne exactement. Entre Jeux Studio. Exactement. Parfait. Donc voilà. Cool. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Bonne soirée, ciao. Ciao. Salut. Bonne soirée, merci. Au revoir.